Bonsoir, bon internaute. Bienvenue sur le plateau de XTM Moriteuf, XTM Plus en partenariat avec Supertot. Comme d'habitude, nos invités et notre consultant. Bonsoir, Mekaj. Bonsoir, c'est bon. Akash, bonsoir. Bonsoir, Alex, bonsoir tout le monde. Ravi, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir bon personne qui, bon internaute qui peut suivre. Merci. Et bon, comme d'habitude, nous allons discuter la semaine dernière. Nous discutons de la semaine dernière. Quelle victoire de Marauding. Ravi, que vous pensez de cette victoire là? Une victoire impressionnante. Hein? Moi, sincèrement, je n'ai pas pensé qu'il pouvait gagner aussi facile. D'ailleurs, nous utilisons ce poids pour être libre. Mais gagner comme ça, un chapeau. Chapeau bas à tout le monde, à l'entourage. Incroyable. C'est une machine. D'ailleurs, vous pouvez être sur poids, même 548 kilos. Vous connaissez ça, quand on souvent tout 548, c'est pas une soirée qui gagne dans Hong Kong avec cette poids-là. Ça veut dire, imaginez-vous, si nous pouvons Hong Kong, ce gabarit qui était divisé un super soirée, une soirée qui est un gros liquide, et même bien une soirée difficile à entraîner. Dans Floréal, tout le temps, vous parlez de un galop d'Ali. Et pour lui, la ligne commence à changer, mais ceci dit, il y a une soirée qui a un caractère, et ben. Surtout, tout bon bon souval, c'est un caractère. Impressionnant. Et surtout, à la fin, nous trouvons le jockey Rama. On est si tu peux danser, si tu peux check Rama, ou bien, c'est vrai, là, tu peux demander ça, tu sais, faux. Honnêtement, moi, pourquoi je trouve le célébré un peu bonheur. Il trouve à l'intérieur, il trouve Heller, c'est pourquoi tu donnes Heller ce jour-là. Quelle fin de course de Heller. Moi, pas connais si Rama, tu crois les courses finies gagnées au 50 mètres du but, mais quel monte, quel cheval Marauding, effectivement. Mais quand le week-end qui va y passer? C'est incorrect avec la super victoire de Marauding. Encore premier jour, nous avons félicité, c'est Dimitri. Dimitri Sophie qui occupe l'île de Marauding. On rappelle qu'Olivier Place l'année dernière, il n'y a pas de Marauding dans l'entraînement. Ça, ça me dit à tout, pourtant Olivier Placé, je te rappelle les mêmes mécaniciens, il travaille tout le monde, c'est pas difficile, il fait mon cheval, on boucle tout le monde, car vous gagnez les courses, il n'y pas de Marauding. Dimitri ne prend un cheval là, il tombait avec ça, et il trouvait qu'il peut même entraîner là. Encore qu'il Marauding, c'était qu'il nous trouve sur ce vrai visage. Comme je peux dire, en début de saison, il n'est pas sûr entraîné, je peux gagner les courses pour 3-4 longueurs, c'est lui qui entraîné, mais qui peut arriver. Ben, voilà, il donne rendez-vous, il remporte une victoire de l'élite, la Coupe d'eau. Donc, qui Marauding perd avec une bonne chance malgré tout. Ah, et voilà, la liste de Coupe d'eau s'agrandit de semaine en semaine. Et effectivement, nous sommes très heureux de voir Marauding. Mais il n'est pas tellement si elle hein, que y a un rating 64. Hein, et en principe, pour vous avez la place. Ouais, normalement, il y a quelques chevaux qui partent pour gagner. Si il y a une place, il rentre là-dedans. Pourquoi éliminer nos sélections, moi, quoi, non s'il y a une place encore. Mais vous pensez qu'il y a une place. Ceci dit, honnêtement, vous pensez qu'il mérite sa chance. Définitivement. Il mérite sa chance. Vous pensez qu'il y a beaucoup de chefs, pas beaucoup d'accord avec MTC, 6 armées. Pas mettez là-dedans. Quoi, nous tous nous trouvons, dans tout magazine, qui nous trouvons, visa for Gold Cup. Si là, il n'y a pas gagné lors de le Gold Cup, pourquoi. Il a même une finition sur visa, le restant. Exactement, c'est ça, visa for Gold Cup. Donc, nous sommes très heureux de voir Marauding participer à la course de Gold Cup. Akash, qui m'a rien passé? Définitivement, tout aussi ébloui par Marauding que Ravi et Mekaj ont pensé. La victoire, cette fois-ci, nous avons une batte vraiment dans le cheveu du classe. Menaceant en tête, Baritone, Golden Knight et même Vasque Street Tractor. Avant cela, son victoire est impressionnante, mais pas cheval de grand-chose. Là, cette fois-ci, il fait une montée de nous, attention à ce cheval. La coupe d'eau avec, vous pensez, l'écriture j'adore faire appel à un autre jockey, peut-être, je sais pas, Ben Offédier ou autre qui ne peut tenter, mais il peut besoin définitivement à l'arrivée de la coupe d'eau. D'accord, merci. Et mes cas, je me trouvais, mais ça, c'est nippé tombé. Et soldat casse-patte dans la fosse. Et Ravi, quand tu peux tout suivre, qui m'a rien passé Aaron pour le week-end, vous connaissez, tu peux comme ça la semaine dernière. Ouais, Aaron, mon cas, c'est impressionnant. Là, comme tout Aaron, comme j'ai une Marauding. Moi, jamais, moi pas le guet Aaron jouer tennis, surtout dans le match, et à cause, moi pas envie de mettre une pression, l'eau liée, l'eau moi. Mais cette finale, moi, tu bien, je que cette année, et avec Covid, tout ça, et ben, des dernières années, Aaron signe tout le temps un match difficile. Et surtout, il est classé numéro 3 dans U14. Il tombe tout le temps au semi-finale, il perd. Mais c'est une finale incroyable. Surtout, il y a deux finales U14. Comment moi, je peux dire, tu as là, il casse quatre codas, codas, puis casser, comment dire, manque, puis tu as le ting, 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 ting.
Mais incroyable, bien. Very happy as parent. Aaron a eu 14 finales, runner-up, eu 16. Mais même ban parent dit, Aaron mérite un petit, comment dire, the most promising player dans ce tournoi-là. Vous souhaitez lui grimper pareil comme Maroding. Maroding, félicitations à Aaron. Et nous pouvons continuer à suivre lui. Et bon, passons aux analyses. Bon, j'ai un goût de chipé dans les courses Liverpool. Je vais vous faire un casque. Malheureusement, pas sur le plateau. Pénal. Allez, donc, 7e épreuve. The Colonel Draper Cup, Vélogique, Colonel Draper Cup, 5 partants, Undercover Agent, Black Hat Back, Opéra Royal, World Tag, Elite Road Drill, un parcours de 1500 mètres, rating de 60+. Mekraj, une analyse. Alors, une course avec 5 partants, mais une carrière qui est très ouverte et aussi très, très indécis. Bon, c'est qui physionomie des courses pour bien important. Et là, nous trouvons qu'il y a World Tag inérite de la 3e ligne, Undercover la 4e ligne et Black 4 Back la 5e ligne. On a l'impression que World Tag est un peu plus rapide au départ. Donc, on pensait qu'il pouvait gagner le Dream Run de la course. Mais Undercover Agent, c'est quand même un excellent coursier, un cheval de gros gabarit. Mais on a l'impression qu'il a retrouvé one-off, capable de jouer contre lui, surtout avec 61 kg. On a Black 4 Back qui est fraîche, qui peut venir après un an. Donc, il se joue pas pour attraper, pour bien laisser galoper. Je pense qu'il peut lead après le départ. Mais est-ce qu'il Walltag pour sortir lui? C'est ça la question. Si Undercover Agent reste cross Walltag le départ, je crois qu'il y a Undercover Agent pour gagner les courses. Mais par contre, s'il est one-off. Et on a get galop Undercover. Undercover Agent qui pas gagne beaucoup galop poussé. Je pense que c'est l'entraîneur une bière de ce travail. Entre ce dernier des courses et cette semaine, mon calling est 3 galops rapides et quelques spurts. Bon, il est dans une belle forme, il improve par rapport à ce dernier des courses. Et comme vous pouvez dire, s'il saute au tag sans véritable difficulté, mon calling pour gagner les courses, hein, mais par contre, s'il retourne les one-off, et surtout avec le pas de la course, mon calling avec 50 kg, il est à retrait, pas de gros mots aux de ce fait, je crois que les courses à prendre ça de là, Undercover Agent, je mise plutôt sur la classe. Une fois, la classe compensée, le handicap, et quand même 9 kg, c'est beaucoup. Mais je mets Undercover Agent à la première place. Bien sûr, il est à retrait comme challenger principal. Et attention à ce World Tag de cette course. Merci, Mekraj. Ravi, que pensez-vous de l'Undercover Agent, de ce galop? Et il paraît très, très bien, comme Mekraj en dit. Pas fait beaucoup de travail. On peut retrouver. Et là, l'in sprint à cause. Et c'est un peu. Les coups, c'est un galop, un peu préparation de la Coupe d'Or. Faut pas croire l'entraîneur Ricky Menga pour mettre trop de pression et le sa travailler sur les coups là. Et peut-être qu'il peut profiter de ça, les coups, ça comme un galop. Et une des affaires qui nous vient ressortir, c'est que Conrad Hofer, c'est un joker, c'est lui qui monte Undercover Agent. Encore sur les coups d'Afrique du Sud. Ouais. Vous pensez que c'est un jeu qui connaît ces valeurs-là, qui ne connaît pas qu'il y a. Et là, au contraire, nous n'avons besoin de ni un longueur encore l'avance, juste le saut par rapport à ce qu'on dit. Et il dit très très bien, comme nous dire, c'est un des courses, vous pensez, c'est un des courses bien disputé. Et il dit à retrait 52,5, le papier définitivement avec ce petit poids nous fait lire, nous favori. Il dit à retrait, le membre de classe. Il peut jouer un grand rôle. Et la 1500 mètres, mon corps, il est idéal pour lui. De profiter en même temps, nous avons Galo Edith Arod. Et Edith Arod, c'est une light source. C'est pas une belle gabarit. Dans les 450, si vous ne vous trompez, cash, mon corps. Et c'est pas un cheval qui peut faire beaucoup de travail. Là où il est marqué, qu'il est fraîche, il peut tirer. Le jockey de Glal peut trapler. Il peut faire qu'un canter, un strong canter, pas plus. Et il dit très très bien, c'est un soir Lingard sur forme, tout le temps il finit galoper, il retourne à Floréal, je te refresh lui. Mais il dit très très bien, mais il m'a pensé, 1500 mètres dans son avantage, il est appliqué, il y a un meilleur temps. Et il dit aussi pareil, il pas fait beaucoup de travail, je ne garde un petit peu fraîche. Et ceci dit, s'il profite un petit peu sur 52 kilos, c'est ça qu'il peut faire sur la fosse. Et ben sinon, Opéra Royal, et la fois dernière, il m'a dit que c'est le soir qui est capable de battre Aliassad, c'est lui. Mais si vous êtes dans sa file là, dans sa forme là, et me pensez Aliassad est un meilleur cheval qu'un Edith Arod Trail, et me pas vous dire meilleur qu'un Undercover Agent, me croire un peu dans même gabarit, dans même niveau, mais Opéra Royal finit une longueur 0,90 derrière Aliassad, et me pensez là avec 56 kilos,
comparé à 61 kilos dernière fois. Et moi, quand il y a ce mot à dire, là, ce que je l'entends, peut mettre une side winkers et que peut-être je peux re-suivre un petit peu plus près, à cause là, il saute loin de 1850, il vient loin de 1500, que les bisins suivent. Pas là, ouais. Plus près. Mais sinon, avec ce premier l'année, ben, Opéra Royal capable renverse la vapeur. Hein? Vous pensez qu'il est capable de renverser ça résultat-là. Même un Voltag. Voltag qui est dans ce sens, cette année, il peut toujours struggle pour gagner sa première course. Là, Vincent Lett, il redonne Derek David qui lui connaît ces valeurs-là. Il est déjà monté, il gagne encore 4, 5, 6 les courses avec lui. Avec un 55 kg, il est capable même de sauter à le devant. Et avec un troisième année, il est capable de mettre un petit pression, il pousse Undercover Agent en dehors, il rentre le bas. Et il est capable de vendre les courses tactiques. Ben, Voltag, fais attention. Voltag aussi gagne ce sens gagner, mais c'est pas une course facile. Par contre, Black Cabat, il peut venir après une année, mais je ne crois pas que les pour mettre tellement de pression là, peut-être que je peux donner les courses, les six galoper, et s'il prend les courses, bien, aussi peut-être qu'il peut participer dans le coupe d'eau. Mais ceci dit, et il dit à Rotrel, sur papier, avec ce type poil, il paraît être un banker, mais dans la réalité, quand vous pouvez être la façon les courses là peut être, mais vous pensez tout se va gagner sans gagner. Comment vous dire, même un opéra royal, c'est mon cross, c'est 100 000 dangers, ça les courses là, exemple. D'accord, merci, ravi. Donc, vous mettez dans ces consensus les courses, Black Cat Back pour le divan. Et non, je ne peux pas croire Black Cat Back pour le divan, ça me suffit, je ne peux pas croire avec un cinquième année, il pourra en déo net. Il peut plus qu'il oublie rapide qu'il y a Undercover Agent. Exact, peut-être je peux sortir pour faire les bounce, mais je ne peux pas croire pour faire les lead, et surtout un soir qui fait venir avec des ennuis. Mais quand même, je peux essayer de sortir, même galoper, mener. Mais pourquoi Voltag avec 3e année, définitivement, c'est lui qui peut pas lire. D'accord. Merci, Ravi. Akash? Alex, je pensais que Mégrat, je viens de dire que les courses risquent d'être très tricky, très tactiques. Quand on peut Voltag en 2020, il fait 6 sorties. Et jamais il n'est arrivé que Tinga plus qui un mois repos en tournant des courses. Il y en a des fois même que Tinga existe des semaines. Donc je me disais peut-être, je vais aller un peu trop souvent, on connaît la saison qui commence en juin. Cette fois-ci, il peut revenir après 2 mois et comme on guette, Van Kronen, réaliser un entraînement avec une lap de 11 secondes, répétitivement, on pensait Voltag là, il détenir de sérieuses cotes en main, étant donné qu'il dirait que David déjà connu, il y en a un bon couloir. Effectivement, à son intérieur, il dit à retrait des Opéra Royal qui peine à autant gate speed, on pensait Voltag, c'est ce cheval qui parle devant. Après, des restes, Black Cat Back et Undercover Agent pour bien travailler un peu pour cross Voltag eventually. Mais Voltag, c'est ce type dans les box seat et. Pour moi, il reste le dark horse, mais j'ai déjà vu comme ça. Mais toujours, tu sais, qui m'a fait pour Edith Arotrail, qui est la première fois depuis très très longtemps, même depuis juillet l'année dernière, que tu parles de moins de 58 kilos. Je pense c'est un cheval qui amène sa qualité de poids là, il termine régulièrement 35 secondes. La dernière fois, le 1500 mètres, 1.30.44, malgré qu'il s'était une course très rapide. Et le cas, dire qu'il est aussi ravi de savoir comme ça, si tout passe comme on avait pensé. Et deuxième couloir aidant, il pourrait idéalement placer sur les bords, peut-être derrière Voltag, c'est le seul hic. Mais ceci dit, 52.5 kg face à 55 de Voltag. Bon, c'est ça que je rentre les deux, avec un petit avantage à Edith Arotrail. Oh, merci Akash. La question que tout le monde se pose dans sa course, hein, est-ce qu'il Undercover Agent in progressé? Oui. Et non, on m'a dit longueur, 3 longueurs. Définitivement, il a bien progressé. Pourquoi? À cause. Si vous êtes bien égal 3 les courses, Maurice, là sur 4e les courses, et c'est un cheval qui vient un peu en retard, il y a mal de préparation, mais c'est pas un cheval tout le temps, il a même second dans la Duchesse, et puis une longueur 90, c'est qu'un White River, et il gagne sur les courses, mais il n'est pas capable qu'il en aille. Définitivement, il peut surtout l'entraîner Enrique Menga, la façon qu'il il entraîne ce cheval, et définitivement ce cheval bien progressé. Pareil, il target, c'est un target race. Pour la coupe d'eau, et d'ailleurs, peut-être, bon, mais, ici, il peut mettre Al-Shiba, mais définitivement, ces bandes cheval, il est bien préparé pour sa bande de courses. Hein? Mais je crois, il peut venir avec 100% de fitness, mais c'est un cheval encore, il peut progresser. Ça, c'est sûr, ça, les courses-là, encore, définitivement, il peut bien progresser pour la coupe d'eau. D'accord. Vous pensez, un gros cheval comme ça, plus de galoper. Plus de galoper, je deviens plus fit. Définitivement, ces bandes cheval là-haut, 520, 530 kilos, ces bandes massives roses. Et surtout, ces bandes cheval, je travaille beaucoup, ça, hein? Je pollue, je fais des tours, et je tout le temps, le band bon, nice, canter. Et c'est surtout, bande cheval intelligent. Je connais le travail, là, comme on dit, là, il peut monter, bande jockey qui connaît, il connaît le training, il monte plusieurs fois les courses. Et je connais, jockey là, il peut connaître quand bizarre, mettre un petit peu plus ou ralentir le travail là.
ça c'est sûr. Alors, juste pour une chose à ajouter par rapport à Dita Retrail, une cause marauding en début d'émission, je peux dire marauding, il parle avec quand même des chances dans la Coupe d'Or s'il est aligné. La dernière fois, enfin l'avant-dernière fois, Dita Retrail battu marauding, même si marauding montait pas une grande chistie, connaît des titres avec problème en ligne droite, mais Dita Retrail, ça nous l'a terminé en 35-11, donc c'était un peu plus rapide que marauding. Si nous pensons marauding capable de battre les Aliasat ou être dans la Coupe d'Or, donc pourquoi pas Dita Retrail battre Undercover Agent ici. Merci Akash, merci Mekaj, j'ai ravi. Donc la question que tout le monde se posait, si Undercover Agent in progressait, vous pensez que, comme le consultant indien, que oui, et le danger principal, c'est Edith Arrow, reste Edith Arrow Trail, en surveillant Opéra Royal et Wolfgang. Alors, passons à la première épreuve. The Hello Poly Solidarité Maurier Piquet Cup, 10 partants au programme. Khalees Champ, Kema Kavu, Secret Idea, Temp the Tiger, Top of the Rock, Napoli, Zantus, Hit the Green, King's Empire, Kimberley, pour un parcours de 1500 mètres, rating de 0,20. Mais quand on dit Hit the Green, rien de explique pourquoi vous voulez analyser les groupes, ou même premier. Allez. Hit the Green, pour Hit the Green, hein? Un site éternel qui n'est pas fait payer. Et là, quand il est arrivé, il est toujours dans 0,20. Is it now or never? La dernière fois, le coup, ça, je parle plus facile pour lui gagner que cette fois-ci. Et, mais bon, espérons pour ses propriétaires qui feraient ici briser la place. Et surtout sur rating 16, et moi, j'ai une nuit d'SD, mon corps premier coup 0,15. Bon, nous pas connaissons si il a perdu 10 points. Mais s'il n'a pas gagné, pour penser du coup perdre 10 points, il n'a pas gagné dans une minute. Mon corps, c'est le dernier coup. Ok, let's hope he wins now. Espérons. Allez aux analyses, mon corps, parking, par Hit the Green au premier choix. Non, moi, je suis bien content, Secret Idea, surtout sur la dernière des courses. La dernière fois, il a le point 9, Force Race, ni au vent, sans cover, il a le point 9, il fait deuxième. Il y a une majorité de courses qui sont là-dedans, notamment Hit the Green, Zantus et autres, tiennent encore au cours des trois chevals. Je pense que cette fois-ci, avec la décharge du jockey, quoi qu'il y en a une très très bonne chance. Et surtout qu'il nous retrouve vraiment une course rapide. Khalees Champ est 8e ligne, Kemal Kavu 9e ligne. Vous pensez que le secrétaire est capable de voir suivre Kimberley si Kimberley se retient plus vite. Et avec ça, des choses, je crois qu'il sonnera pour un cas de Divali avec le secrétaire. Je crois que 700 roupies, c'est un excellent value bet. Je veux dire, c'est mon camarade. Ou si ou prend au risque d'un cadeau Divali, le secrétaire là. Mais quand j'ai donné secrétaire, il y a cadeau Divali. Et c'est pas un secret pour mon camarade, que sans jeu de mots, bien sûr. La journée, moi, si je suis parti à une première course, je me donne secrétaire, il y a un banker. Ok. Tu dois la médaille. En passant, je tout qui l'a planté, on peut donner un cadeau Divali. Là, hein. Donc, mais quand ce premier soir, secrétaire, il y a une première course. Nous prenons un risque. Carry on. Et bien sûr, deuxième place, nous mettons Hit the Green, malgré que c'est un éternel pour Lido. Mais bon, Hit the Green est un poussé qui m'a apprécié personnellement, même s'il n'a pas gagné. Et comme troisième chambre, on sait Top Over Close sur le dernier coup, s'il répète mon corps, il perd avec bonne chance lui aussi. D'accord, merci Mekaj. Akash? Quel coup, Salex? Quel deux? Moi, espérer ou Divali, ou cadeau Divali, pas là-dedans. Parce que sinon, enfin... Non, pas du tout, on pensait... Ou pas gagner pour un cadeau Divali, là. Soit d'autres les rousses. Non, on espérait pour mes grades qui est secrétaire d'IA, là. On fait de l'immo challenger principal, moi. Bon, moi, inverse, c'est les deux premiers qui mes grades, je choisirais secrétaire d'IA, Hit the Green. Effectivement, secrétaire d'IA, la dernière fois, on est coursé pour vente. Cette fois-ci, bénéficiant du remise de l'apprenti. Je pensais, c'est lui le plus rapide du bolide. Si jamais il réussit Holden, Pena, véritable champion, véritable... Finisseur patenté de sa découverte, ça qui n'a pas mis de ceci dit, Hit the Green, troisième couleur, va penser, il dit, vous avez gagné une course de rêve. Hopefully, pour les fans, c'est l'écurie Ricky Magol, il réussit strike this time. Et sinon, comme place chance, le coucher de l'écurie prend une du thème de Tiger qui, la dernière fois, il est buté. Nous cause thème de Tiger, la dernière fois. Effectivement, mon collègue, il réussit prendre ce départ assez correctement. Écoute, lignes suivent. Mais aussi 100 mètres, il gagne un petit problème de l'écoute. Ouais. Et si l'entrée est sur 65, il y a une course qui est bien lancée. Si tu termines bien, c'est parce qu'il y a ce problème-là.
Je pensais là, étant peut-être le plus jeune de cette catégorie-là, vous pensez, en termes de la gueule, vous avez besoin de les deux de Chelsea. D'accord. Et en même temps, vous tirez moi qu'on a fait. Chaque fois, parmi les gardes, doublé ses valeurs dans les courses, un an a gagné. Un an, effectivement. Donc là, l'IPN a doublé. Donc, t'es quasi neutre. Et nous passons à Ravi. Ravi, à ce moment, vous connaissez pas les courses, un champ comme ça, nous pouvons analyser différents pour vous. Qui ou banker et pas ou banker les courses. Qui ou pensez dans le meilleur sens gagner les courses et qui se val capable de venir battre. Venir taquiner ou venir challenger. Vous pensez, moi, sans les courses là, c'est un 0-20, pareil comme on nous dit, anyone race. Mais si vous ne pas dire hit the green, ça veut dire que vous ne pas sincère si val. À cause si tu peux galoper 5 fois tout comme une cause ça, ça veut dire à cœur hein. Mais là mon pensée au fait une montée dernière fois et c'est ça nous avons joué d'expérience ban joué professionnel par exemple quand je monte un cheval mettons l'IP a dit l'IQ connaît qui est réel l'infer après ban des couches je t'ai lié ban get ban des couches là où trouver il vient loin de 1500 mètres la fois dernière c'est un 365 1500 mètres, c'est un cheval qui dit pour l'énergie, ça tibout, ça dash final, descend dernier mètre là. Et c'est un cheval, si vous mettez pression au départ, quand les courses allent vite, ils burn de fuel trop beaucoup et ils pas fini les courses là. Si vous êtes sur les courses qu'il vient faire, après, comment m'écrase tout le temps, c'est vis à ma form line là. Secret Night, je dis, regarde dans rating 36, où il y a un dealer chum qui finit gagner les courses, semaine dernière, il y a dans 31. Et Majestic Bone, vous pensez 3,65 pour moitié trop coûte. Là, 1500, idéal. Troisième année, il est pour condamner pour bien rester au bord. Il n'est pas pour sortir one-off, mais il est pour sortir place au bord. C'est un lot bien faible. Pour n'être pas normal, comme on va tirer les courses normales. Mais je crois, en ligne droite, même il est pour sortir un peu en dehors, je crois, hit the ring in l'air, il est bien gagné. Si vous demandez, mon banker, ça, les courses, ça, c'est hit the green. Mais qui soit capable de challenger, je crois, c'est Xanthus. Pourquoi Xanthus, ce dernier les courses, pareil, c'est pas un cheval. Xanthus, c'est pas un cheval. Voilà, là, ce travail, vous pensez, travail semaine dernière, ça. Et ce dernier travail, il travaille très très bien. Et l'itinéraire tourne à Floréal, je refresh. Et vous pensez, dans sa file là, et là, l'entourage, il met un endorsement, il remet un endorsement, ce dernier fois, il a pensé à lui, qu'est-ce qu'il s'en met dans ce parcours. C'est un cheval qui dit, vous pensez, je ne garde pas fraîche. Si vous demandez, qui soit capable de challenger de green, vous pensez, Xanthus. Et aussi, Secret Idea, oui. Mais là, tout le temps, vous dites, tant qu'un apprenti ne peut pas gagner les courses, nous pouvons tout le temps dire, il peut gagner, mais connaissez, vous passez là-dedans, vous êtes un riding master, vous connaissez surtout un jeune apprenti. Je suis un petit peu dans la paix. Je suis dans sa frayeur. La semaine dernière, il arrivait un moment quand les types venaient démarrer, aller, je suis trop attendre. Mais vous pensez, il peut encore gagner un repère. Secret Aïda, oui, si la, sur la 106 séjours, il peut gagner, mais c'est moi, le garçon là, il a besoin de show something, il a besoin de progresser encore, il a besoin de montrer sa confiance là, ce qu'il ne peut pas trouver. Ali. Mais moi, pour faire, peut-être qu'il peut finir dans le 3e et 4e place, peut-être pour tout King Empire, il est aussi pareil, 19 les courses, pas de victoire, mais moi, pensez, là, je peux dropper derrière qu'un 10e l'année, peut-être c'est un soir capable de venir dans les 4 premiers, finir dans les quartettes. Mais définitivement, moi, pour faire hit the green, mon meilleur choix. Voilà, Alexandre. Merci. Henri, qui vous pensez le déroulement des courses, pas le divan? Écoutez, c'est un lot, une fois, ou pas pour Konim qui est capable du vent, mais vous pensez Kimberley. Mais là, j'ai une tierce au blinkers qui dit qu'il y a un peu de vitesse, mais bon, il est capable du vent, mais là, nous ne connaissons pas avec ce tierce au blinkers, mais quand il y a un soir, il y a une vitesse, mais il y a un lion de haut. Et vous pensez, Temple de Tiger, nous ne connaissons pas, il est tout le temps slow at start, mais pas quoi, il pour aller devant, mais là, vous pensez, peut-être pour un débit pour l'entraîner, pour dire sur la rampe, ben, tant un sens, c'est la seule façon qu'il peut être capable de gagner, c'est sauter, bounce, aller, ben, cash me if you can. Vous pensez, c'est Secret Aïda, vous ne pas connaître s'il m'écrase pour d'accord, moi, mais vous pensez quand même, il n'y en a pas, il est capable de tant poil, from start to finish. Et pour lui gagner, comme ça, vous pensez, c'est un meilleur choix, meilleure façon. D'accord. Alex, juste avant de terminer dessus, Ravi Finkoz, la peau du jockey, puis on connaît au fait la dernière fois, 1365.
définitivement, il a ce advice pour rallonger ce cheval-là. Nous trouvons aussi qu'il peut être nose-bend avec ce cheval. Exact. Nous avons l'impression que quand nous gardons ce cheval-là dans la ligne droite, à chaque fois, nous gardons sur la tête. Il garde sur la tête haute, exactement. Ouais. Bien trouvé. Donc peut-être ça pour aider vraiment mettre la tête au travail, sprinter convenablement. En levant le nose-bend. Oui, et mon partage ça, ces affaires-là. Et moi, souvent, des fois, mon félix dans ma écouche, je prends l'exemple, la coule à trotte. Et je me suis remarqué quand je me suis fait que John Dekery Vincent, quand je me suis remarqué quand il pique les couches, il lève sur la tête. Mm-hmm. Quand un cheval lève sur la tête, il a une tendance pour respirer sur la bouche, à cause de son nose bend, quelque part, il a gasté. Mais comme on bien dit, il lève sur la tête, il rôde respirer, il a une tendance à respirer plus beaucoup que sur la bouche. Mais par contre, là, si on tient nose bend, il peut descendre sur la tête un petit peu plus bas, mm-hmm. à cause normalement, quand un cheval galopé, il a une tendance à être sur les pieds devant. Et moi, je me trouve quand le cheval-là, quand il galope, il a une tendance à mettre les côtes les pieds sur les pieds. Mais par contre, quand on met un nose bend, il lève sur la tête d'une façon, il peut croire, il a envie de trouver sur les pieds, et quand il y en a même qui il galope mal. Ben, si, avec ça, cette idée-là, je crois, ben voilà, nous trouvons bien que là, à cache. Enfin, espérons. Hein? Pas c'est de nose bend, peut-être cette fois-ci. C'est un good trick. Hein? Oh, on est bien que cadeau du valise. Good luck, guys. Bon, la deuxième épreuve, The Flint Worldwide Limited Trophy, 8 par temps. Tax, Crazy Charlie, Duke of York, Lead Singer, What a Kid, Willie's Choice, Dunzai, Yankee Force, un parcours de 1365 mètres, rating 0,26. Mec Raj. Alors, une fois, un écoute très très ouverte, pas vraiment connu. Pas connu même le déroulement de la course. Il y a un taxi qui n'a pas, Denzi n'a pas, il y a un lead singer qui ne montre pas en Afrique du Sud, il y a aussi Duke of York. Mais bon, pour l'élimination, on parle pour une victoire de Duke of York. La dernière fois, il y a une course très difficile à Wandoff sans couvert que tu tirais énormément. Et c'est un coucher qui peut travailler extrêmement bien à l'entraînement et dans une très très belle forme. Et avec la 8ème ligne là, on a l'impression qu'il peut-être qu'il, s'il part ici à l'avant, on sait qu'il est capable de suivre. Et avec le pas de la course, j'espère qu'il y s'attelle et nous capable de trouver ce vrai visage dans la ligne droite. C'est quand même un coup, c'est qu'il sert chaque fois un galopé. Ce premier sorti, il a trop vite. Et après, il tirait et il se finit chez Moussé, il ne pas montrer dans rien. J'espère qu'il essaie de suivre, il fait une meilleure réplique. Et comme challenger, je vais mettre Crazy Charlie, un nouveau qui ne réussirait la dernière fois. Et je pensais qu'il viendrait taper à 100%. C'est un coup, c'est qui. Bon. Qui t'est arrivé la dernière fois? Il tient un Solon Fetlock, si je ne me suis pas trompé, et okay. Il tient un boîtier. Et je pense que s'il rétablit à son meilleur niveau, il est capable de triompher d'entrer ici. Et comme placebet, je suis bien content d'Enzi. Encore une fois, avec l'apprenti Sonaram, si nous ignorons ce dernier coup, Scott Ling a une course très éprouvante, complètement au milieu de la piste. Si je ne me suis pas trompé, c'était lors de la journée du Méden de la dernière course. Et Ensochi auparavant, quand il a battu avec Dillersham, il a galopé en 1-9 du leader qui était Ponciana. Et Dillersham, tu viens de les courses là. Denzi finit 4e. Le premier était Dillersham qui ne répétait la semaine dernière dans une classe supérieure. Le deuxième était Ponciana. Liling gagnait après une répétée encore. Et le troisième était Green Flash Sunset qui a gagné la dernière fois. Et le quatrième c'était Denzi. Donc si nous avons ce dernier les courses, il faut me lancer les courses avant. C'est un très très bon form line. Vous pensez à 2000 roupies, quoi il était, vous pensez à un très bon place bet sur Molik, 300 ou 400 roupies. Donc, quoi qu'il donne, c'est un bon place bet. Merci, Mekraj. Akash Alex, Mekraj, une cause Crazy Charlie, vous pensez quand il se posait galoper face à Green Flash Sunset, ce week-end là, avec Uriri GBR 7, tu encourages beaucoup de nouveau, notamment Rose Joy, tu rencontres la victoire. Crazy Charlie, c'est un man cheveux qui est peut-être le plus joué parmi ces mannes nouveaux de l'équipe Roussette avant d'être retiré là. Tiens, 990 mètres, nous connaissons des courses qui allaient tomber au bâton, peut-être des dispositifs d'un run. Là, l'entrée 165, je pensais un parcours beaucoup plus approprié pour ce cheval-là, comme on a l'entraînement, notamment du 6 novembre, c'est-à-dire après avoir été retiré pour cause de batterie. Il réalise quand même un chrono assez révélateur, les laps de 11 secondes. S'il est complètement rétabli, je pense que les Boubizak n'ont pas avoir en route la gagne. Déroulement des courses, c'est un gros question mark. Si jamais on taxe avec Martinez, qui est un bon juge du pas, Richard devant, peut-être qu'il va tenir bon, et puis baisse de classe, nous remarquer. Sur un benchmark 31 de 0,26, cette fois-ci, il a une distance plus courte, donc peut-être à son avantage. Et un bon place chance, selon moi, je pense que Yankee Force, qui propose les blinkers, à la dernière fin des courses éprouvantes, des points de channel ou 1000 mètres.
qui définitivement trop court pour lui. Yankee Foss, te connais après ce premier des courses, qui se fait très très bien ici au Champ de Mars, on pensait qu'il finit quelque peu décevant. Si on va trouver un demi-frère de Blomier, oui. Vivement lui montrer sa bonne qualité là et il reste au moins placé dans le TSC. Merci Akash, ravi. Oui, je pensais Crazy Charlie, et c'est vrai, c'est qu'Akash peut dire, dans une autre cause, ma nouveau l'équerre Jubero 7, je mets un petit peu de pression et je tape un galop. D'ailleurs, c'est Van Seval qui, quand même, je suis de quarantaine, il prend un peu les temps, mais je mets Van Seval la fit. Et d'ailleurs, un nouveau, il débuté victorieusement la semaine d'avant quand il galopait. Lui, malheureusement, il était boité, mais après, il a fait ce travail. Après ça, il a pick-up, il bien. Et comment dire, il peut galoper avec un side winkers, première fois, et qu'un ton taille. Si sur l'entraîneur, il met ça l'équipement là, ça veut dire, je peux penser qu'il soit là, il shoot ça l'équipement là. Et beaucoup de target ça découvre ça. Et surtout, le NDC 365, la ligne est très très importante. Si vous avez une première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, là, la moitié du travail est déjà fait quand même, ou pas pour condamner l'extérieur. D'autant plus, ça déjà valant dans l'île, un fontraîneur. Fontraîneur, il peut sortir, il peut saisir, se placer au bord, il attend la même. Et un 365, il coûte ça pour aller vite. Mais je crois c'est un cheval, pour son rating 26, je crois il est trop trop fort pour sa classe. Il a besoin de gagner. Après, comment dire, nous ne connaissons pas comment il prend après ce boîte. Mais mon corps, si je l'entraîne, je le mets à Guadeloupe, je le connais, mais je le lis 100%. Là, où il y a un Duke of York, si vous donnez mon boutier Duke of York, mon boutier ça 8, là, je donne 3e l'année, je peux faire le banque. Mais là, et surtout, l'ON365, 8e l'année, ben, mon corps, il peut bien faire trop d'efforts et que peut-être il peut payer la fin. À cause d'un cheval, si vous bounce, vous mettez pression, il commence à tirer. Il y a une mauvaise labousse, c'est qu'il lui montre nous au training. Mais quand même, c'est un très 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 bon cheval. Apporte comment il paye stacker, il sortit combien de boulets de canon, il rentre devant eux, mon croix dit qu'il va gagner. Et il y a un autre cheval qui est très très bien motivé au training, c'est Lead Singer. Et lui aussi pareil, c'est un cheval, mon croix, il est en vitesse, c'est un cheval qui gagne en Afrique du Sud, c'est un cheval qui est tout le temps devant. Et ici, nous ne connaissons pas comment il peut comporter, je t'en cause un, peut-être des green, mais si c'est un cheval là, reste sorti. Et je t'alle devant sans faire des efforts et je settle bien et si je racing fit et comment me dire c'est ban galop je gagne assez galop mais c'est ban cheval qui nous peut bien faire oui bien qu'il faut c'est aussi pareil Lili paye mon classe d'une gap dans 25 dans 0,20 la Libine dans 26 quand il amène un petit point à cause d'un petit cheval blinkers first time vous pensez c'est ban cheval pour là mais pour la gagne Alexandre vous pensez vous pouvez faire mon premier choix Crazy Charlie Duke of York League Singer et vous pouvez mettre Yankee Force dans le 4 premier. Merci Ravi, nous avons une petite vidéo enfin un cheval qui est assez vous pensez sur Robin Sanzé et nous pas une cause lui mais vous avez une petite avis le Watekid un gros outsider mais bon il a l'IP il fait juste un petit un petit galop léger, mais vous trouvez ce Robin Sanzé. Et qui vous pensez le sans cheval Watekid? Oui, il y a un joli type cheval. Vous êtes là, sur l'arrière, il appuie bien l'arrière et vous trouvez les gars sur la tête en bas, il paraît bien king. Sur Robin Sanzé, oui, pourquoi? Parce que là, nous dans plein l'été, surtout quand l'été, ben, le cheval, votre poil, l'hiver, grainé, il y a les autres paraît plus joli. Et vous pensez, et peut-être qu'il paraît encore un petit peu gras, encore un petit peu enrobé. Et si je pense, si sur l'entraîneur, tu crois qu'il soit là, il y a une meilleure chance de gagner, je crois qu'il faut besoin d'un jockey. Pour pas croire, même avec Roy, il donne lui un claimer, comment dire, pour pas pinili. Après, surtout, comment dire, il est un petit peu fat. Et j'ai envie, comment dire, éduquer. C'est un jeune cheval. Je crois qu'il peut galoper une meilleure course, il peut improve définitivement. Mais venir gagner, là, je pense, c'est un peu difficile. D'accord, merci, Ravi. Passons à la troisième épreuve, The Navis Trophy. 7 partants, Bold Phoenix, Jaws Tiger, Sacred Knight, Traveling Man, Lucky At Last, Manitheran et Flowerscape. Un parcours de 1450, benchmark de 31. Mekraj. Encore une fois, un antiguit se voit, mais quand même un écoute très très ouvert. C'est comme il était là, il y a 4 chevaux qui a gagné. Mais bon, pour l'élimination, je me fais de Traveling Man, mon gagnant. La dernière fois, je pensais qu'il ne se contentait pas de se mettre trop court et moi je crois qu'il est pour Outpace. Alors qu'en vérité, il est sur le boxeur sur 990 mètres. Bah, tu vois un excellent tour au bravo. Je crois qu'il est Traveling Man avec la deuxième ligne. Je crois qu'il peut avoir une excellente chance. Et surtout, on a l'impression peut-être qu'il est sorti plus vite qu'il Ball Phoenix.
et peut-être après il faut laisser le Phoenix aller, il faut lui travailler un peu, il passe derrière lui, pourquoi qui tous les faisons de verre pour qu'il ouvre ce compteur ici à Maurice. Et à la deuxième place, pour mettre Secret Knight, un coup c'est qu'il transforme le cardia cette saison. Il est toujours à l'arrivée. La dernière fois, peut-être, d'ici moi en faute, les fois aussi, ce jockey, s'il n'est pas verse à l'intérieur. Et là, avec la quatrième ligne, moi, je pensais qu'il est pour juste derrière le meilleur. Et peut-être avec Fédé, quoi, qui est capable de prendre le first run et essayer. Pousse Travelling Man de ce dernier retranchement. On croit que c'est le challenger logique de Travelling Man. Et alors, un place bet, et j'espère qu'il y a peut-être des odds qu'il a gagné, c'est Flower Escape. C'est un coup, c'est qui. Bon, il y a mon camarade qui est honneur du cheval. Et la dernière fois, battu par le qui Atlas. J'espère qu'il maintenant, cette fois-ci, le qui Atlas avec une victoire de Flower Escape. Et je pense que la meilleure tactique pour Flower Escape, c'est pas de suivre proche du pas. Je crois qu'il a besoin de drop à des packs ou même suivre en midfield avec un cover. Si il fait ça, je crois qu'il n'est pas drôle qu'il y batte Travelling Man. Merci, Mekraj. Akash? Alex, même tu sais que Mekraj, toujours Travelling Man en première position. Bon, c'est la dernière fois que moi, il peut dire 900 radons à 10 mètres, bien ticket ou si ce n'est personne, pas expect. Il fait une aussi bonne course, moins de deux longueurs, il y a un Toro Bravo qui est un spécialiste du kilomètre. C'est un cheval qui pèse 558 kg. Une première des courses, si au champ de l'os, fait une telle performance, on pensait c'est remarquable. Et comme je peux dire, un peu à l'instant d'Undercover Regent, c'est un cheval qui, au fil des courses, est devenu even better. On pensait là, à Travelling Man, deuxième couleur. C'est une classe sur Boxy, tel doit 1000 mètres, qui peut empêcher le lead de ça, les courses. Enfin, étant le grand 4 qu'il est, on pensait qu'il sera difficilement battu. Ceci dit, le challenger principal, Flower Escape, parce que pour moi, cheval là, tellement étiré, me pensais, meilleure solution, c'était définitivement Raccourcili, avec Manekous, qui tenait un peu plus de train, que le TKA finit sur Manekous, mieux, parce que quand nous guettons sur 600 mètres, c'est 37, 38, il frôle même les 39 secondes, donc c'est mal finish émoussé, et que mon migrage, je peux dire, the best way peut-être to run him is. Faire les suivre en midfield ou même le primaire de back et côté car vraiment montrer sa dash finale qui est là. Et bien évidemment, le cheval a su de très très près Sacred Knight qui ne réalise 12-0-1, descend sur les 11 secondes, 10-99 et 11-22. Vous pensez Sacred Knight à ne pas négliger dans cette troisième épreuve. Merci Akash. Nous pouvons guetter une vidéo, nous pourrons remettre vidéo là. Et ravi pour commenter un petit coup le saga en même temps Duke of York qui nous fait causer avant et de Travelling Man à l'instant. Ravi pour les analyses. Oui, Mekraj Travelling Man, Mekraj Akash Travelling Man, ravi Travelling Man, vous pensez, voilà nous ben quelle est la journée. Hein, oui, et Akash, c'est vrai, c'est qu'il m'a aussi trouvé vendredi dernier, moi tiens pour lui, sa travail qu'il y fait là. Et vous remarquez, et l'in met Travelling Man, l'in met li tape un galop avec un sprinter. Et pour moi, c'est Duke of York, vous remarquez, li fait li aller, après, li ramène ce cheval là. Vous trouvez, c'est un plan de travail bien calculé, bien tactique. Et li fait Duke of York travail, après, il fait le talent suivi. Vous trouvez, il peut montrer ce cheval là pour sprinter. À cause là, il saute loin les coups sprint, il peut venir loin de 1450. Vous trouvez ça, c'est un entraînement bien, bien professionnel. Et vous trouvez, c'est un langage méthodique. Et c'est ça, après ça, l'entraînement méthodique. À cause, beaucoup de monde n'a pas connu que c'est un langage méthodique. Mais c'est ça. Vous mettez un sprinter, travaille avec un autre, soit 1500 mètres, fait le sprinter, quitte lui, après, fait le revenir loin. C'est un travail très intéressant. Mais là, je suis bien convaincu qu'il. Travelling peut-être Travelling Man c'est beau banker. Qui vous pensez l'eau ce poids 558 kg. Écoutez, pareil comment nous tu causes Maraudine ce poids montre au qui dit ben meilleur cheval. Hein? Des fois un cheval qui gras, qui pèse 550 kg, tu vas souvent ballonné, mais par contre un cheval qui belle, qui costaud, qui musclé, qui haute et qui ce gabarit avec ce poids qui était, il fait reconnaître qu'il y a un bon cheval. Mais moi crois pour moi, comment mon petit Travelling Man, les Bogetim, un parachute man devant moi, mais je garantis que c'est un super cheval, nous pouvons trouver beaucoup de lui, ça, c'est sûr. C'est un cheval qui peut gagner beaucoup les courses, je souhaite dire qu'il reste plusieurs saisons, mais un cheval nous peut trouver beaucoup de lui. Ouais. Et je pense, qui est capable de challenger, qui est capable de battre lui. Et je pense, Secret Knight,
c'est un cheval, c'est un autre cheval cette année. Pourtant, il vient d'un rating en bas, il peut progresser, il tout le temps, il est même très régulier, il gagne des courses. Mais pourquoi c'est le cheval qui est capable de challenger avec un Federer, vous pensez Secret Knight. Pour terminer dans les 3e, 4e, vous pensez Ball Phoenix et Flower Escape. Le jeu de dernier des courses, peut-être sur Poula, c'est pas le 3e, 4e meilleur cheval dans sa loue là. D'accord. Et Cadeau Divali, Travelling Man, Ravi? Et je ne crois pas qu'il y ait un cadeau. Je ne crois pas qu'il y ait un favori là. Hein, 250. Oui, il y a 300. Cadeau Divali, nous gardons 14. Nous gardons 14. Voilà. Ah. Dis-vous, vous restez là. Hein. Et donc, en passant, je me rappelle les autres qui ont une vidéo, un cheval, ou capable de review les autres le www.supertot.mu en même temps que la liste des participants de la journée qui vient et aussi d'autres informations. Donc, passons maintenant à la quatrième épreuve, la Trans Global Trophy, 10 partants, Mochino, Paddington's Luck, Deer Park, Overdose, Wildfire, Dream Forest, Olmeca Black, Berg, Mr. Green Street et Starsky. Un parcours de 1850 mètres, benchmark de 36. Akash, analyse s'il vous plaît. Alex, vous pensez là, nous manque Texas Sky. Nous manque Texas Sky. Et moi, je pense à moi, avec mon review qui nous fait quelques semaines de cela. Mochino, Texas Sky. Et même pas une dingue, ça, tu rentres devant les goûts, ça. Ouais. Non, vous pensez Texas Sky, si vous, si l'ici là, si vous galopez dans la haut, là, 41. 41. Oui, ouais, dans les questions pour victoire, effectivement. Et aussi, vous pensez Mochino, si tu peux 40, dans 41. Ouais. Non, tu peux 40. Tu peux 10 pour faire un match. Rating de 40 et de 36. Presque pareil. Presque pareil. Bon, avant d'analyser, Alex, on pensait peut-être poser la question à Ravi. Mochino, depuis qu'il met Sidewinkers, a trouvé des performances, bien venu même. Et là, cette fois-ci, Blinkers on, loin, parcours rallongé. C'est quoi peut-être l'idée? Vous connaissez. En même temps, nous vous passons au galop. L'équipement, c'est. Moi, pour dire ça, parce beaucoup d'années, nous travaillons ensemble, moi et Vincent. Et moi, partage même l'idée qu'il lit, il partage même l'idée qu'il moi. Et peut-être nous en apprenons beaucoup, Lille en apprend beaucoup, nous en apprenons nos camarades. L'équipement, c'est une affaire très importante. Vous pouvez remarquer la training, il n'y a pas de méthode. L'équipement, il met un rein allemand pour garder sur la tête un petit peu pour le jockey capable de contrôler. À cause c'est un cheval difficile tout le temps mondial, il est difficile à entraîner, difficile même dans les courses. Vous connaissez quand un cheval galope 5 points side winkers, il met même l'équipement, mais pour, sans une affaire, il met un blinkers. Après, derrière, le jockey Federer, il monte une fois et il trouve peut-être s'il met une blinkers, il peut sortir beaucoup plus bien. Mais même là, par contre, il a une distance plus allongée que tu vois là, il est capable de tirer avec sa blinkers. Il n'est pas nécessairement que sa blinkers là, saute sa cheval là, le sa distance là. Mais comme dit, peut-être le jockey, il trouve, il essaye une blinkers, à cause de blinkers là, il ferme, un side winkers, il ouvert. Et. Vous pensez si met un blinkers à nouveau, d'ailleurs il était déjà galopé avec blinkers avant, et avant quand il fait jeune, il était trop tiré, mais là avec ce comportement, il peut-être c'est tout, peut-être le blinkers qui a sauté, mais comment vous dire, 1850, peut-être le cheval capable de tirer, quand il est capable de désavantager avec sa blinkers. Si par exemple il tient 650 et qu'un blinkers à nouveau, là peut-être, moi tu vous dis où, ben, il peut sauter beaucoup plus bien à cache. Merci, Ravi. Donc, me maintenir un moment de choix, moi, je peux mettre Paddington Sock à la première place et Mochino à la deuxième place comme challenger. Moi, je pensais peut-être Ravi vous convaincre, moi, le blinker, ça qui est Mochino qui a fait la différence, mais vous pouvez me suivre, Ravi, et me penser, lors de la dernière confrontation face à Bunny Prince, Paddington Sock, un coursier avec lequel l'écurie Gilbert Rousset prend beaucoup, beaucoup de patience après des graves ennuis de santé. Vous pensez là, it's time que the horse repays that faith en quelque sorte et remporte la gagne avec ce cinquième couloir et une rush de Galancel. Challenger principal, bien au Federer, Monsieur Mochino. Et Place Chance, Mr. Green Street, un cheval qui m'affectionne tout particulièrement. Très très joli coursier, proche de Gimme the Green Light. 1850, peut-être un question mark pour ce coursier, mais vous pensez peut-être la façon qu'il termine sur les courses, peut-être il vous aide à l'arrivée. Voilà, Alex. Merci, Akash. Mekaj. Alors, vous pensez un peu dans le même sens que Akash, je crois qu'il parle d'Inton Select. Avec toute patience qui est l'écurie Rousset, il me prend avec les mots qui c'est sur l'air de triompher. Surtout 1850 mètres quand il se renforce ce dernier les courses ici à Maurice. C'est un très bon coursier lui aussi, un bon coursier qui affectionne la course proche du pas. Et là, avec Kostorski, mon corps qui poursuit soit de l'Ubuxit, soit il poursuit One Off, quand c'est un coursier qui faisait étendre sur ma foulée.
Je crois qu'il est point dans le first run sur Moschino et là, mon cardiaque qui 75% de la course sera joué. Et avec Jug Lam qui est dans mon ambition d'essayer de remporter le championnat des jockeys, David nous trouve il prend l'avance au lit. Et j'espère qu'il nous reste deliver avec Paddington Slug. Bien sûr, comme challenger, nous allons mettre Moschino avec les blinkers. Comme on a vu, peut-être que c'est Bernard qui nous recommande les blinkers. Et nous allons quand même mettre en doute quand même l'avis de Bernard Fédéop. Et comme place bet, attention à Overdose, c'est un course qui en bas c'est 100 mètres, il n'y a pas du tout. Pensez sans monter là, nous trouvons le vrai visage d'Overdose. Et là, nous trouvons les mettre blinkers et surtout avec la première ligne. Donc, quoi qu'il y ait aussi, il poursuit plus près cette fois-ci. Et comme on peut dire, first run sur Moschino, je crois qu'il y a Overdose aussi capable d'essayer un coup tactique avec Manuel Martinez et ses turn the table, le grand favori. D'accord. Merci, Mekraj. Ravi? Oui, vous pensez l'analyse un peu dans la même direction. Moschino, Paddington Luck, Deer Park, Overdose, Mr. Green Street. Oui, c'est vrai, Overdose, c'est un cheval qui. C'est un stayer. Dans 10 ans, c'est un cheval qui. Même qu'à la distance, mais malheureusement, c'est un petit cheval qui a un petit gabarit qui pèse dans les 450 kg, peut-être un peu dans les parages comme ça. Et d'ailleurs, moi, comme je viens contre les Kerry Narang, ce dédain des courses, je ramène loin de distance coûte, je mets Blinkers. Et là, surtout loin de Blinkers, loin de 1850 et de première année, je souhaitais le jockey Martinez, c'est un très bon jockey, il a une bonne la même au cross, voilà, pas pour tirer. Mais s'il réussit cette ligne, pourquoi pas, je crois, Overdose capable, je pense qu'il gagne ce sens gagné, à cause c'est une solidité, il peut progresser. L'année dernière, c'est à l'époque la même, quand il a gagné des courses. Andy Epoch, il finit de gagner des courses cette année. L'ici, pareil, il a bien progressé, il a bien surtout le training. Vous trouvez quand même qu'il prend un petit peu de poids au training. Et il est dans une très bonne forme. Paddington Luck qui, nous basant le dernier des courses, second, me souhaitait une grande sous forme. Et, mais après, quand même, ce band des courses avant, il ne performe pas très bien. Et surtout, c'est un cheval qui s'est déjà gagné colique. Après, il est venu, mais je crois qu'il paraît bien au training. Moi, c'est tout dit Florian la semaine dernière, la semaine d'avant, qui est dans une bonne forme. Et là, par contre, on a Mr. Green Street. Je pensais que c'est un cheval qui est demande à distance. Et vous trouvez sur l'entraînement, mettre un drop nose man, peut-être pour faire un peu plus de tout à l'arrière, quand il peut aider le jockey pour capable faire le tout. À cause de ces 100 mètres-là, il prend les coups ça bien. Il y a un bon temps, un bon 400 derniers mètres. Pourquoi pas, avec un 58 kg, il est capable de venir, il vient mettre tout le monde d'accord. Mais je crois que les coups ça, Alexandre, pour les coups bien disputés, difficiles, pas d'un temps là, il est pas gagnant. Le papier, peut-être qu'il est capable de se donner les coups, mais seulement c'est un des coups bien partagé. Pas d'un temps là, Deer Park, Overdose, je peux mettre Mr. Green Street. Dans le quatre premiers. Merci, Ravi. Maintenant, passons à la cinquième épreuve. The V-Logic Warehouse Service Trophy, 10 partants au programme, Bonnie Prince, Edge of the Sun, King of Tara, Cyber Special, Dynamite Jack, Best Day of My Life, The Jazz Singer, Boya, Lasser, Skip the Red, un parcours de 1500 mètres, benchmark de 41. Vous pensez que c'est un peu plus difficile de la journée, non? Oui, en tout cas, une jolie des courses. Une jolie des courses. Hein. Tout vainque, en fait. Tout dans son sens gagné. dans sa rapporte, Jazz Singer, peut-être Lasser et Boya. Mais bon, passons à Mekraj pour les analyses. Ouais, comme je veux dire, une des courses très ouverte et aussi, encore une fois, une des courses qui, vous pensez, tactiquement, bon entraîneur pour bien minutieux. Là, maintenant, en tête, Edge of the Sun. Mais nous ne connaissons pas si Bonnie Prince pour venir taquiner arrive un moment ou même The Jazz Singer et King of Tara avec la dixième ligne, il est capable de gagner le point neuf. Si arrivé, personne ne peut taquiner Edge of the Sun, pourquoi il est capable de gagner une telle épreuve. Surtout la dernière fois, quand Captain Gunwild, qui est leader sur pas, il est quand même battu uniquement avec Seattle Kid. Et quand il compare Seattle Kid avec les deux favoris qui sont Best Day of My Life et Dynamite Jack, on a l'impression que c'est Seattle Kid, c'est un meilleur cheval qui les deux. Surtout que Seattle Kid, il désabatte Dynamite Jack et je pense qu'il est plus fort que Best Day of My Life. Et je pense que si Seattle Overson gagne une course tranquille à l'avant, il est capable de faire libre. Mais quand même, Dynamite Jack nous trouvait à l'entraînement. Du coup, je trouve tout du monde fait cause Dynamite Jack à l'entraînement. Je crois qu'il cheval a une progression en cours. Et là, avec Aliosen, après, quand même, la piètre, donc, la pire prestation de Derek David la dernière fois sur
ce coursier. Et tu n'as même pas encore une sortie avant que tu n'as beaucoup de commentaires. Peut-être que c'est une demande des propriétaires de changer de main. Il est capable de marcher comme il est capable de marcher aussi parce qu'il a un mandat. David, quand même, c'est pas une jockey qui commence à monter hier. C'est des petits, c'est voilà, difficile à monter. Peut-être qu'il y en a raison. Et si Aliosen adapté avec le cheval, bien sûr, lui fait l'arrivée. Mais mon pensée entre les deux favoris, c'est qu'une plus beau risque. Moi, je viens contre Best Dior My Life. Surtout lorsque dernier les courses face à Keiko, il gagne très facilement. Et ce jockey poserait en ligne droite. Et surtout le pas de la course, si arrivé, ben attaque une bonne prise. Edge of the Sun, pardon. Bon, voir qu'il est pour finir plus faut qu'il gagne un Jack. Surtout qu'il se bat Keiko. Et beaucoup de monde pensait que Keiko pouvait gagner après, dans une classe supérieure, mais quoi qu'il baisse dans ma life, et le show à la patte. Et comme challenger, mon metteur Jefferson, et bien sûr Dynamo Jack dans le TSC. Yeah, ok. Il y a quand même King of Tara dans les courses. Et que tout mette-lui, mes cartes dans les courses. Bon, avec la 10e ligne, quoi qu'il les choses sont compliquées pour King of Tara. Vous pensez les plus rapides qui sont mon concurrent à l'intérieur, qui Bonnie Prince et Jefferson? Non, moi pas qu'on c'est qui King of Tara aussi rapide que. Oui, il y a tout, mais c'est moi personnellement, je vais trouver les choses plus vite qui Bonnie Prince et Jefferson. Et avec la 10e ligne, quoi qu'il y ait un parcours assez compliqué. S'il n'est pas le divan, oui, il peut condamner, vous pensez. Et surtout, la dernière fois, bon, c'est la vérité, c'est un bon coursier, mais quand même là, en quarantaine, et surtout une quarantaine qui est très très compétitif, je crois que les champs de King of Tara se compliquent un petit peu. D'accord. Merci, Mekage. Akash. Bon, entièrement d'accord avec vous. Vous êtes King of Tara, la dernière fois, il n'est pas le divan, il ne suit, il termine en 35-89, donc. Il n'est pas nécessairement besoin de demander à ce cheval-là. Pourquoi il est en moins 9 aussi, si mon ouais, bon, ouais. Ça joue là, je suis bien content sur ma chance. Et effectivement, bien offert. That was a clever ride. Vous nous l'épondrez, ça joue. Mais non, c'était vraiment une très bonne course montée par bien offert. Au deuxième place, je tente ça les courses à Alex, parce que 10e couleur, encore une fois, et en montant de classe, ça risque définitivement d'être un peu plus dur. Ceci dit, pour la gamme, aussi, on parle avec Best Day of My Life, parce que. Quand Dynamo Jack bat lui lors de la 14e journée, comme Getty d'un 600 et 400 mètres, Best Day of My Life, malgré qu'il est battu par 1.45, il est meilleur étant que Dynamo Jack. Au départ, Best Day of My Life, c'est la 7e couleur, Dynamo Jack, 4e couleur, Dynamo Jack suit Dream Run. Best Day of My Life, c'est d'ailleurs lui. Tout le long des courses, et il remonte très très fort. S'il répète ça, malgré qu'il monte de classe, bon, c'est Best Day of My Life. Lorsqu'il finit de montrer au training, le cheval est très très bien, vous pensez, il sera difficilement battu. Dynamo Jack nous remarque semaine dernière travail, c'est effectivement Jamie Aliosen qui s'est travaillé à l'entraînement, que tu termines semaine galop en 11 secondes. S'il répète ça, ben, Dynamo Jack reste définitivement le challenger principal. Et comme on peut dire, au King of Tara, pour moi, c'est un très très bon place chance. Merci Akash, ravi. Et bon, puis c'est un petit peu stratégie de Mekraj, hein, nous allons avec Man Form Line et les mots Age of the Sun avec Kiban Seval Lingaloupé, Patrol Officer, Rob Roy, Marodin, Nose and Spite. Vous pensez, ce dernier des courses, c'est le kit, vous pensez, les team meilleurs qui ce jour-là. La Ligue 1 3e l'année, il est condamné, il est pour bizan le vent et surtout Martinez qui désigne Montli, peut-être il connaît qui plus, qui moins, qui cette fois-ci pour amener. Et je pense que dans sa fille là, dans 41, et c'est un cheval qui nous gagne dans 46, et je pense que ça les coûte, ça shoot lui, l'eau distance, tout idéal. Je pense que 1500 ans, il est idéal. Quand il n'est pas pour besoin trop d'efforts, quand il quand même il peut sauter, il saute vite, quand il est capable de ramener Reggie un petit peu, ça 100 mètres additionnels là pour aider lui, quand il n'est pas pour besoin rush pour mettre pression au départ. Et je pense que ça même, ça 100 mètres, 1500 mètres là, il peut aider lui pour finir les courses. King of Tara, l'année 10, comme Akash Indien, il n'est pas nécessaire devant, mais aussi il pouvait une call avec un of the Sun, 10 ou 9. Mais pourquoi King of Tara, un Edge of the Sun, pourquoi il y a une meilleure classe qu'un King of Tara? Là, Bonnie Prince, avec un 7e l'année, il y a aussi il a gagné devant. Le moment sur l'instruction poussée, il y a bound, sauté, lead. Mais là, il y a une 1500 mètres, et avec surtout un Roy, et oui, non, un Martinez, un Federer, ça délange pour mettre pression. Et je ne crois pas surtout Bonnie Prince capable à lead facile. Dynamic Jack, pour moi, il gagne, oui, il gagne dans 36, mais je crois que c'est trop overrated ça souvent là. Un cheval qui travaille bien l'entraînement, pourquoi? Parce que c'est un cheval qui tire.
il tire, il la guille, et il en ligne droite, il sprinte, ben il est capable de monter, comment dire, un Michael John, un Benson, comment, ben le sprinter là, il monte en 9 secondes. Mais, et mais les courses, il n'est pas pareil, surtout en 1500 mètres, je crois qu'il peut tirer, même en Aliocène. Et moi, au contraire, moi tu vous donne direct même monter, à cause peut-être direct qu'il monte 4 fois, il peut plus connaître comment il peut se tout. Je souhaitais aller au sein à quoi il peut monter au training tous les jours. Best day of my life, l'eau papier, oui. Mais seulement, il nous a fait tout le temps l'exemple, tout le temps, j'ai fait attention, surtout quand on ne sait pas saigner. Pénant aucune garantie qu'il soit là pas pour ré-saigner encore. Et ça, vous trouvez ben, beaucoup de cheval qui ben bleed. Par exemple, qu'il y a un nose and spite, ou un baritone. Et surtout quand il soit une fois l'insaigner, nous n'avons aucune garantie qu'il n'est pas pour ré-saigner encore. Mais tout le temps, vous dire, fais bien attention, surtout ban bleed. Et par contre, il y a le tisval, skip the red. On va ça nous guetter à cause de skip the red. Comment vous guettez dans l'exemple, vous te dites, riez, vous connaissez, allez, un skip the red. Et c'est un bon cheval qui ne prend un petit peu les temps, je ne prends pas les temps pour adapter les autres. Et l'entraînement, il est bien dosé. Il y a un Murphy's Mafia qui a trois les courses des fils, ben pourquoi pas, à cause du même type de cheval qui vit ensemble. Ça, c'est voilà, il fait facile, il fait avec la NS. Il peut enjoy ce travail, ben c'est bon cheval avec un 57 kg, pourquoi pas, c'est bon cheval capable de renom, de créer un petit peu, bon surpris, c'est bon cheval honnête ça. Mais définitivement, il skip de run, pour me dire dans 4 premiers. Mais pour la gagne, Alexandre, moi pour faire mon premier choix, Edge of the Sun, à cause c'est un cheval comme ça, c'est pas, il bien mérité de gagner plus gère les courses, et surtout un cheval qui gagne si c'est une seule les courses ici à Maurice. Et je crois qu'il vaut beaucoup plus que ça, et là ça les courses, ça shoot, pour moi, c'est mon cadeau d'Ivali ça. Et je vais le cadeau du Valais. Pourquoi? Qui se bête ça? Un bon marché, ça, favori? Ouais, 700. Bon, déjà. Eh ben voilà. Et le mobilier, la secrétariat, je vais le 600 roupies, je vais le vous pensez que c'est un good value bet. Et surtout, cadeau du Valais, un peu d'éclairage, vous trouvez un sun, of the sun. Vous trouvez là. Donc, cadeau du Valais de Ravi Rawa, Edge of the Sun. Donc, good luck. À rappeler que le premier cadeau mécrage de du Valais. Ou je ne sais pas, sens où la ville. Secret idea dans la première course. Nous attendons toujours le cadeau d'Ivali de Akash. C'est difficile. Hein? Donc, passons à la sixième épreuve de Vélogic Olage Service Trophy. 10 portants. Comme tu le vois, In a Million, Hooves of Thunder, Lemon Drop Shot, Moonrise Sensation, Protea Paradise, Red Line Captain, Sir Bernardini, Allington's Revenge, 8 Cities, un parcours de 1850, benchmark de 51. Akash. Pour les analyses. Alex, avant qu'il m'arrive, moi, il y a d'autres deuxième partie de là, je trouve qu'un seul voix est imbattable jusqu'à ce qu'il me trouve les Titis encore une fois. Les Titis, la dernière fois, je peux donner de très bonnes chances. Il n'est pas fini de se voir là, avec le jeu qui est Dine Schiffel, l'année course que le Titis m'a aussi. D'ailleurs, il y a une fin causée avant l'émission, Alex, N57. Il faut venir des coussins vraiment très très lente pour réaliser ça qu'on nous met là. Je pensais là, cette fois-ci, en me basant surtout quand le Titis a dit des In a Million. Il y a des courses éprouvantes, dans sa même des courses, il y en a plusieurs, man, je vois l'instant de Lemon Drop Shot, Saint Bernardini, Arlington Revenge et autres, qui est possible de sa course. Et Titi, ça joue là, il a battu que 2,55 en 1 million. Cette fois-ci, cinquième couleur, je ne peux pas trouver véritablement son intérieur, je vois qu'il est aussi rapide que ça, c'est une Redline Captain avec une Chaltia, mais 54,5 kg, il y en a tous les. Enfin, si on veut gagner des courses, il peut faire tout pour y aller devant. Et Titi, je me rappelle, Ravi, tu as dit, plus il galopé, mieux il est. Vous pensez là, et s'il réalise la même course qu'il a la dernière fois, il sera difficilement battu. Ceci dit, définitivement, vous respectez. Beaucoup d'antiquités, et Titis, nous vous aimons pas chercher les autres consultants pour mentionner Titis. Chaque fois, il a loupé un reading qu'il faut, et il y a un petit poids. Et nous tous connaissons, il n'y a pas le divan facile, et qu'il est dans le sens gagné sur les courses. Vous pensez l'y faire, Ravi, vous pensez l'y faire un rating que dans 38, il rend un rating 51. Il permet une 54 kg et nous tout connaît sur la fosse. Et il permet 10 des 3 points pénalité pour ce prochain les courses. Vous connaissez, c'est ça même qui le calcul de rating. Tout le temps, il y a beaucoup de personnes qui ont des demandements. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent c'est quoi le rating. Rating, à l'époque, nous tiennons un poids, un handicap 52, 54, 58, 60 et dans la division A, B, C, D. Cette fois-ci, je viens d'un petit peu international standard en rating. Et ben, nous adaptons, mais c'est ça, beaucoup de personnes ne viennent pas expliquer le rating. Rating, c'est quoi en termes de la force?
Par exemple, nous, humains, et un bouc qui pèse 50 kg avec un bouc qui pèse 60 kg, surtout, et vous donnez un avantage, si pas 20 mètres, vous dites voilà, ça 20 mètres là, il est égal à ça 100 kg en plus là. Hein? Et Pointe Sévale, par exemple, 8 cities, d'ailleurs, moi, je t'ai expliqué avant, 8 cities, il est dans 0,26. Aujourd'hui, il est égal dans 51, mais il est dans la fausse 51. D'accord, il est les courses, il est gagné. Et, mais comment me dire, plus souvent là, il galopé, il vient comporter bien. Là, où, oui, vous pouvez dire, qui fait il amène 54,5 et gagne 61, mais il est désavantagé, on va attendre. C'est juste une question par rapport au rating et class-wise, parce qu'il peut donner tout ce sens. Définitivement. À NCTs, parce qu'il permet un petit poids. Petit poids. Et aussi, je pense qu'il, à part Redline Captain, je pense qu'il peut. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui tout le temps, nous, c'est nous qui nous analysons, et l'entraîner avant de mettre un cival le programme. Il calcule et il connaît, et c'est ça l'entraîner, ce travail, il connaît deux semaines de travail, il guette ce soir quel niveau il était. Par exemple, il met un 8 cities, travaille avec un cheval qui a un rating, par exemple, un rating 50 au training, il dit un 8 cities, il domine le cheval là, par rapport à sur la fosse, il finit qu'il y a une la fosse 50e, il met lui dans sa 58, et il y a une distance, il y a sur les temps. Avec sa poids là, c'est mon calcul que vous pouvez l'entraîner la semaine dernière en Charlie Touliro. Il met dans mon rating là-haut, il redescend en bas, il met loin de 600. Je joue avec sa façon là et je gagne des courses. Mais voilà, c'est nous notre travail de analyser. Analyser et roadman gagnant pour nous bonnes bonne personnes qui suivent nous. Merci, Ravi. Donc, on repassons à Cash. Définitivement, Alex, peut-être si nous gagnons, je vais dire wise, parce que c'est un show de classe. Mais ability-wise, peut-être la photo, comme tu le vois, peut-être le oui, milieu du jeu. Oui, définitivement, sûr. Mais c'est les courses, si pas gagner l'histoire d'habilité, c'est circonstance et courses, c'est circonstance et courses. Je pensais ouais. Peut-être, encore une fois, peut-être dans Favre et Cities, maintenant, est-ce qu'il vous récite, moi aussi, dernière fois, parfois. Il dit t-shirt pour nous, dernière fois. Mais comment on peut dire, Akash, vous connaissez Ed Cities, si vous guettez bien les lissos outils, il parle trop doucement. Mais seulement, c'est là que tu as un peu de tactique ban joke. Quand tu trouves que tu n'as personne qui peut chasser, il réduit les pousses là. À ce temps, il peut au bas, si tu trouves un bonhomme qui commence à chasser, il peut sortir, il peut aller, il peut tirer, il ne le saut pas. Ça même. À ce temps, si vous laissez quelqu'un devant, mais définitivement, il peut sprinter. Mais à ce temps, il y a un look, les autres tactiques, quand tu as les autres chevals, les autres sorties. Je te n'ai pas bon pas que je t'ai le bon temps. Je te fais 9-10. Et quand tu as dit, il y a habitué faire 11. Mais là où tu veux, s'il n'est pas vite, ben, il n'est pas pour finir les courses là. Définitivement. Oui. On pensait devant les autres compétiteurs là. C'est connu qui est cité, c'est façon de gagner, c'est de vous réduire le bal devant. Mais si j'ai envie de battre, enfin, pas envie de battre, mais j'ai envie de tirer de ce pas, je peux faire une essai. Maintenant, si Kikani Minin taquine, pardon, est cité, ben, quand tu le vois, premier coup là, de sa classe là, vous pensez le reste le meilleur pour moi. Vous pensez les poursuivre d'ailleurs, est cité? Non, pas aussi près que ça. Peut-être 4e, 5e position, le bas, il attend dans les droites, mais avant son attaque. Puis là, peut-être la même drop shot, mais il y a un peu de suivant, comme je l'ai dit. Quand tu le vois, le challenge principal des cities, c'est comme Place Chance, toujours dans les courses, remporté par une million là. Je suis bien content à la fin de course, Darlington's Revenge. Malheureusement, pas réussi à ce travail, je pensais, mais c'est une réussite pour progresser un peu, malgré ce 10e coup là, le sapin coup là, je pensais, c'est un bon Place Chance sur Darlington's Revenge. Merci Akash, Mekraj. Pour moi personnellement, je pense que si il a 2000 mètres, 60.5 kg, et qu'à finir 35 secondes, beaucoup qui donne un benchmark 50, quand ça le voit, ça dit 150 mètres, beaucoup qui il cave trop fort pour son adversaire, même si il utilise moi, c'est devant beaucoup qui, quand ça le voit, il faut battre. Et si challenger, il y en a, je pense que c'est le moins drop shot, et pour compléter le tir, c'est de la capter. Merci, Mekraj. Ravi. Moi, je bien analyser les coups ça avant qu'il vienne. Alexandre, je pense moi, les mon drop shot, c'est un cheval qui a une autre classe. Peut-être c'est un cheval qui mérite beaucoup plus de sécurité. Et peut-être peut-être le répète des trainings à cause d'un cheval qui light, un cheval qui tire. Et peut-être une fois, je suis overdo. Et quand il pas une dernière fois favori. Mais beaucoup là, dans sa fille, là, dans sa forme, là, je crois. Je crois qu'il y a une meilleure classe. Hein. Dernière fois, favori, des longueurs, des une million, il permet surtout de monter classe dans 51. Les mon drop shot, c'est un cheval, c'est un zen cheval, il gagne bon les courses, il gagne des courses dans 1850,
même si on est bien l'année, pas point de problème, à cause d'un cheval qui est en vitesse, et l'année en dehors, peut-être qu'il peut sortir pour bounce, moi, mon collègue pouvait une galop près avec meneur, là, nous connaît peut-être, il peut veiller, comme on dit, le seul cheval pour les battre 8 cities, il peut bien coller. Définitivement, il peut mettre une pression le premier l'année droite, et mon collègue, comment il met pression, il peut rendre 8 cities. S'il réussit à placer derrière 8 cities, ben, mon collègue, les mêmes drop shot arrive la route, il peut démarrer, il peut quitter l'autre, il peut aller. À cause de pas pour faire même erreur, à la fois, quand il est venu trop tard, il est perdu dans une émion, pas bien, c'est un soir qui fait seconde, alias ça, il est bizarre, un soir qui est en classe. Quand cela voit, oui, c'est un soir très très honnête, mais c'est moins loin de 1850, 61 kg, comme on veut dire, si il réduit les courses, ça lente, mon corps il peut sentir poil. Mais par contre, il y a un petit soir qui peut progresser au training, c'est Potter Paradise, un soir qui, sur l'entourage, s'attend beaucoup de lui, peut-être ça, c'est voilà qu'on va craindre une surprise. Mais pour la gagne, pour mon meilleur choix, pour mettre le monde drop shot, un soir qui peut challenger définitivement qu'on se le voit, in a million. Et sincèrement, dans honnêteté, je pense que Ed City, mon Getty Floreal Akash, dit très très bien. Je crois si ce poids aide lui, même la classe pas pour un problème, mais je crois qu'il est capable de finir là ensemble dans les quatre premiers. Oh, merci, Ravi. Passons maintenant à la huitième épreuve. The Vélogique Dépôt Trophée, 7 partants, Promissory, The Nun, Divine Connection, Mr. Crumford, Blow in the Box, Iron Wolf et Wordbuster, un parcours de 13,65 mètres, benchmark de 36. Akash, pour les analyses. Alex, quand on guette la cote, déjà des courses, le numéro 1, le numéro 2, favori, au dévoilement, les Promissory, ok, très régulier. Et le numéro 6, ouais. C'est effectivement Promissory très régulier, certes, mais ça fait un bail qui, la dernière fois, il remporte une victoire. De Nan, deux victoires d'affilée, certes, mais cinquième couloir cette fois-ci, je ne sais pas comment les courses vont dérouler. Vous et Iron Wolf, peut-être Ishkav, surprendre ce De Nan la dernière fois. Un peu tricky, en fait, je ne vais pas trouver les deux premiers pour moi, personnellement. Peut attendre le cadre du Valier. Ouais, mais c'est pas courses, hein. Un cheval qui m'a bien content, Divine Connection, la dernière fois, il a une super performance des King of Tara. Il est décevant jusqu'ici, mais ici en tête sur les courses de la journée internationale, que tu gagnes les courses de rêve, mais comme Ravi, je peux dire que tu es là, man bleeders. De par contre, qui peut expecter des fois quand il est bleed, quand il n'est pas bleed. Mais comme on guette les derniers 600 mètres réalisés face à King of Tara, 36-21, Denan remporte sur victoire 7, mais 36-43. On va prendre Jamie Aliosen, que tu passes le cheval. Pour moi, s'il gagne un bon positionnement dans les courses, il réalise ce qu'il peut démontrer quelque part à l'entraînement. Bon, c'est Divine Connection capable, je vais peut-être trouver le fait ici. Maintenant, challenge principal, avec la régularité de Promissory, premier couloir, il n'est même pas éligible pour sa catégorie-là, il a un rating de 38, mais il gagne place. Je pense là, peut-être, quand on est au niveau du rating, au début d'année, il y a le match 51, il retrouve le match 36, peut-être c'est ça qui peut faire la différence à l'arrivée. Entre ces deux-là, pour moi, Alex. Merci, Akash. Mekraj. Donc, moi, quand je peux dire 5 sorties de cela, pour me sortir, je fais galop de benchmark 51. Et 6 sorties de cela, je fais galop de 56. Pour le débat, c'est là qui me battit. On va voir Strict Actor, Red Moss, Core of Angels, Secret Flame et Watch Me Dad. Et la dernière fois, il gagne des courses un peu compliquées. Tant il y a Takwa et tout. Et surtout, tu n'as énormément de pas dans l'épreuve de la dernière fois avec Christophe Vanem et Badawi. Et c'est un favori Watch Me Dad qui est un très bon finisseur. Et je pense que c'est une référence à Promissory pour très difficile à battre. Surtout qu'il m'a dit qu'il me battit, tu peux répéter. Et dit tout le temps là, est-ce qu'il 62 kg a un problème ou pas quoi? Parce qu'il connaît le dernier cheval vient 59,5 kg. Et surtout, Fedeb, c'est un jockey qui monte, qui est assez heavy. Un heavyweight jockey, comme on nous dit. Et la première ligne, Promissory, nous connaît qu'il est une fois, il est quand même lead. Et nous trouvons qu'il a la dernière fois Iron Wolf. Prendre réussi sauté et une suivre en oreiller code et surtout le conseil une retire les blinkers. Pourquoi si Promissory lead c'est quand même un conseil qui dans le jargon quand il y a certaines latées dire quand il y a le devant bon souris ailleurs vous pouvez mettre les blinkers mais moi pensez que Promissory capable lead avec la première ligne et pourquoi qui ravi tu peux entraîner et quand Promissory met défense c'est quand même dur très 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 dur à attraper. Je fais de Promissory, je gagne. Et à la deuxième place, je mets Iron Wolf, surtout avec un nouveau tactique qu'il peut adopter. Il finit très bien la dernière fois. Il se quand même bat Donan. C'est le challenger logique. Et là, nous trouvons Iron Wolf au travail. Et c'est un cardiaque qui improve
comparé à la semaine sortie précédente. C'est quand même un très joli coup. C'est qui beaucoup de monde content qui était quand je suis à Lamborghini. Les glaces de soleil. Et c'est un coup qui, si je ne me trompe, il fait très très bien en été. Je crois qu'il y a un Wolf est un change rose maintenant. Et comme place bet, bien sûr, nous invite dedans pour compléter le tiercé. Lui aussi un change rose. Une victoire impressionnante la fois dernière. Quoi qu'il donne un engagement sur place de l'ETS. Merci, Mekraj. Ravi. Par exemple, vous pensez à l'écoute, trois chevaux. Hein? Promissory, Donan, Iron Wolf. Après, Banderes, sincèrement, je ne même pas trouvé dans les quatre premiers. Et Promissory, à cause d'une finesse victoire, rating, moi, mon compte, ça c'est valable, bien, mon gagne l'occasion en train de dire quand il est venu nouveau. C'est un soir qui a un gros cœur, il est quand même mal devant, galop second, côte tercisé, 70 kilos, c'est vrai, mais quand je vais me finir, j'ai tout. Le jockey, des heavy jockey, il n'est pas pour sentir sa poêle, le solido. Et il y a un soir qui est dans la classe, vous pensez, Donan, c'est un jeune cheval, oui, je suis à la montante, peut-être Donan a un plus d'avenir que Promissory. Ouais, et lui aussi, pareil, on a l'occasion au Kipli en train de dire, l'année dernière, comme petit côté de Kerinarang, et c'est un cheval qui a une marge de progression, il est très très bien, c'est un cheval qui a un caractère, il gagne sur des dernières courses, et je crois qu'il peut bien en même, et là c'est moi qui peux monter différents jockeys, troisième jockey qui peut monter, Roby, Condi, il monte au training, vous pensez c'est un cheval qui peut bien là, Iron Wolf, il est aussi pareil, c'est un cheval régulier, avec ce deuxième année, je crois qu'il peut rouler, c'est lui qui peut lead, il peut lancer courses là, mais c'est moi ne veux pas croire Promissory pour laisser sortir facile à cause définitivement il peut aller devant, il peut retirer les courses. Promissory me penser ex au premier année, il peut bounce, il peut mettre un petit pression, il peut faire Iron Wolf un petit peu d'effort, sortir lui et quand il est capable les courses là, il peut surtout quand il pas tirer. Les deux nains me croire avec ce cinquième année pour les gagner, les business surpris avec Sandy là, me croire les pour business tomber one off avec Promissory. Mais là, en ligne droite, je crois, Promissory, si attendre en ligne droite, il passe à l'intérieur. Définitivement, c'est lui qui vient gagner ça, les courses. Et là, comme vous trouvez, en ce moment, les qui réalisent ce moment, c'est une performance. Tout Promissory, la semaine dernière, Floréal, il est dans une forme très, très bien, se couler insensé. Normalement, c'est un soir un petit peu sec comme coating. Là, où il est glacé. Et surtout, quand il vient dans sa coating, là, il est bien. Et je crois, moi, je peux faire mon premier choix, Promissory. Challenger, je pense, peut-être Donan. Écoute, il est capable, surtout un Zen Soval ou un Wolf, peut-être pour finir dans les trois premiers. Voilà. Merci, Ravi. Alex, Ravi, tu connais le Zen comme cadeau d'Ivali, Réunion. Non, vous pouvez donner un cadeau d'Ivali là. Comme vous pouvez. Vous bien vous donner les chances d'Ivali. Quand vous pouvez écouter Ravi, que j'ai là-haut. Comme un collègue de travail aussi, vous pensez Divine Connection. Vous connaissez Divali, ok, la culture divine. Maman, ben oui. Bon. Vous connaissez peine le champion, c'est un an, pour deux victoires d'affilée, mais il n'est pas un champion. Vous pensez Divine Connection peut-être capable ou cadeau du Valley Divine Connection. Effectivement. Ou cadeau du Valley Divine Connection. Pour Divine Connection, côté à quoi 1000 roupies. Mais vous pensez pas par coup. Non, il y a du 50, 100 roupies dans ça. Il y a du Valley Divine. Ok, merci Akash. Donc, cadeau du Valley, Mekraj, Secret Idea. Ravi, c'est Edge of the Sun. Et Akash, Divine Connection. Westphalen. Ouais, je suis bien rentré. Moi, au bout de l'année. Là, il a un pour moi, là, ici. Ah, c'est là, moi, je suis libre et venu. Passons à l'analyse de la 9e épreuve. Dipotent, Common Sunny, Double Winner, Sentido, Mr. Bogambo, Newsman, Seventh Express, Manolette, Rochester, Volatile Energy et Special Force. Un parcours de 1400 mètres, rating 0,25. Mekraj pour les analyses. Allô, Alex, je ne peux pas faire mal au netton, je te donne tout le cas de l'Ivali. Pourquoi moi, je vais faire de Manolette, mon vainqueur. La dernière fois, une superbe course. Le jockey Sonaram, qui a sa première tentative, il y a des courses assez compliquées. Côte Bernoff et Deb Soyeli jusqu'à la montée. Et ensuite, il prend le lead, mais quand même, ça, il n'est pas fini loin. Il est là même à 100 mètres, 75 mètres du but. Et cette fois-ci, avec la quatrième ligne, quand nous sommes à son intérieur, il y a un double winner, Sentido et Volatile Energy. Je crois qu'il est pour dans le box juste derrière Volatile Energy. Et avec sa dream run, je crois qu'il est Manolette capable de remporter une épreuve, remporter une telle épreuve, nous allons dire.
surtout en 0,25, une course qui est partie contre une course qui peut répéter. Italienne, mais il y a une course 13 pour la dernière fois, mais quand même, ça lui fait un second. Perfect Pressure King Up là-haut, Forerunner, bon, Forerunner c'était quand même un bon coursier, et Double Game c'est un coursier qui ne regagne. Donc, pour Rocky Manolet, si pas gagné dans le cadre, il n'a pas gagné jamais. Et à la deuxième place, bien sûr, nous avons Volatile Energy qui peut-être pour gagner un soft lead devant. Et attention à Saint-Ido, une course 13 pour la dernière fois que tu fais tirer énormément. Et là, nous trouvons qu'il Ben Ophidep peut-être il a changé d'équipement, il a les blinkers. Et mon crois qu'il avec la deuxième ligne, bon, nous capable d'attendre à une meilleure course de la part de Saint-Ido. Bon cadeau du Valis Saint-Ido en passant. Ouf! Senti. Bon cadeau du Valis Saint-Ido. Je trouve l'entraînement et nous avons ce galop. Le race time qui fait ce. Dernier 400 mètres, le 22 secondes. Dans sa rating, là, il n'y a aucun cheval qui fait lui. Donc, je pense que pour lui, il should be now or never. Ouais, c'est ce qu'il peut penser. Bon, il y a une loi assez faible. Passons à Cash pour les analyses. Entièrement d'accord avec Paul Megrad, Alex. Je pensais Manolet là, la dernière fois, il est revenu après deux semaines, enfin, il galope deux semaines consécutives, la première fois du jockey sur Naram, comme Megrad, je peux dire. Et là, une excuse valable, je pensais, cette fois-ci, m'oublie-moi, si même pas plus rapide qu'il voulait atteindre l'énergie à l'ouverture des boîtes, que tu peux mettre devant lui. Mais si, sinon, il passait ce délire, il voulait atteindre l'énergie, et de là, je pensais Manolet sera très très difficilement battu. Même au niveau du training, des laps de 12 secondes, 12,39, 12,53 et 11,99. Je pense que s'il répète ça, il a fait des poubisins à l'arrivée. Manolet, c'est quand même 10 placés en non sorti. Une seule fois non placé, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne pour ce coursier. Challenger principal, bon, faute d'autres bons portants, on va dire comme Anthony, qui après ces deux victoires assez correctes face à Dolce et Italian Way, la dernière fois, pas une mauvaise course des Fairbanks, un peu à 45, terminant comme d'hab en 36 secondes. Malgré le dixième couloir, vous pensez Raju Ravan, l'icône de la piste du champ du Moss, comme sa poche, il ne connaît que pour passer ce cheval et s'il détermine en 36 secondes, et vous allez à l'arrivée. Et un bon petit outsider comme Place Chance, bon, peut-être il n'est pas encore au top physiquement. Attends, je vais mettre l'eau à l'écran. On va même connaître qui dit, je vais mettre Double Winner l'eau à l'écran, s'il vous plaît. Effectivement, voilà. Double Winner. Quand vous avez ce travail, bon, définitivement, il y en a beaucoup de travail pour faire. Mais. Sur la forme sud-africaine, je pense qu'il mérite amplement une chance. Vous pensez l'une chance, c'est pas la cache. Je pense qu'il, comme on peut trouver, là, il peut bien prendre ce gars-là. Peut-être ravi pour commenter. Ravi pour commenter là, bien sûr. Mais moi, j'ai envie juste de faire un petit coup de magie. Mais tape les gens, venez connaître vous pouvez penser. Vous pouvez penser effectivement, Alex. Après, ce qui m'aurait manqué, il y a beaucoup de chevaux qui travaillent au training. Et par exemple, ça, c'est là. Peut-être que je me disais, peut-être si je l'étais que je me disais, on manquait soit là montant, il résiste sur les pieds droits. Vous trouvez, il stride, il y a un seul côté stride. Quand il est fatigué sur les pieds droits, il diminue. Mais là, normalement, en mini droite, il vient sans sur les pieds, il vient le sur les pieds gauche, il est là où tu veux dire pour qui il y a. Malheureusement, ça m'a dit, là, je vais tester One Piece. Pardon. Et c'est qui malheureusement, ça va un jeune cavalier qui monte au training, je ne vais pas montrer mon cheval sans les pieds. Yannick, il m'a dit un robot là, et il me pose sur la main, sur la fait par lui-même, il n'y a pas aucun improvement qui le kick. Et c'est ça qui tout le temps vous dit, un cavalier qui monte au training, c'est qui un bon cavalier qui veut montrer, je veux tige mon cheval, une bonne manière sans les pieds. Et il dit bien, oui, il y a un joli cheval, comme on dit, il y a un mais c'est moi, le problème, il n'y a pas de développer sur ma qualité qu'il y a. Et beaucoup de chevaux, comme moi, vous trouvez, je suis tout jeune, et je reste tout le temps One Piece. Arrivé un moment, les mêmes que vous trouvez, beaucoup de chevaux qui ont un problème boulé, je boulé fait mal. Et quand même, nous bien préciser que ça, ce cheval-là, il tient à Gate Speed, Sud-Afrique. Et Gate Speed, c'est ça. C'est vous trouvez, là, ce travail, que ouais. ce dernier coup, je finis 10 longueurs, sans montrer que au training. Et un cheval, il n'est pas pégrécial devant aussi, pas devant. Et surtout là, il travaille beaucoup le sur les pieds droits. Et normalement, quand un cheval sorti vite au départ, surtout quand un cheval qui est en vitesse, tout le temps sorti le pied gauche.
Et là, la même montre qui, si l'IP travaille, le reste de l'IP droite, qui définitivement, quand il peut prendre des paroles, il peut sortir de l'IP droite. Alex Ravinkers, au training, que Papé récit faire l'échange depuis l'année là, l'apprenti Roy, nous avons dit qu'il peut être Roy. C'est pas quand même bien en fédéable. Donc peut-être ça risque d'être un peu difficile. Maintenant, c'est de tough foot and plate. Double winner, nous remarquons que ce dernier coup en Sud-Afrique, c'était un tough foot. Un tough foot and donc, tu as battu avec John Hancock, Andy Milonguer. Pas connu, c'est bon. Le hasard des coups, on ne sait jamais. I'll give this one to you, Akash. Quand on a une Liverpool Cup, au 5 août, on va faire venir. Ou choisir. Mais bon, passons à Ravi pour les analyses de la dernière épreuve. Ravi, oui, 0,25. Bon, sorry, demande banque avec le Ban Challenger pour sa banque. Avec une meilleure chance. Je pense que meilleure chance, là, manonnette, pourquoi on sortit displacé. Là, je trouve que l'entourage, une tiers à Winkers, une tiers à Roseman. Je pense que depuis longtemps, tu viens de ça. Peut-être d'une sens à Roseman, là, comment bonnier, moi, tu peux expliquer le Roseman. Mais pourquoi si tout ça, ça l'équipement, si une tiers dit. C'est voilà pour aller beaucoup plus à l'aise et exister quatrième ligne pour faire mon voilà pas banker mais mon corps pour faire mon meilleur choix. Mon challenger, moi ici moi d'accord avec Sentido, là où remarquez qu'il y met un tongue beat et quand Vincent Lett il met un tongue beat et que son cheval où remarquez que Vincent Lett a progressé. Et surtout un cheval difficile le sur la bouche, là avec un deuxième ligne, mon corps définitivement il pousse cette ligne pour aller, mais s'il est sorti, il réussit cette ligne. Et il est capable de gagner, mais c'est moi qui crois Manolette pour Colzis de Yeli. Je crois Sentido bien dans le placé. Newsman, le soudain, je crois que c'est même depuis de Yeli pour finir troisième. Vous pensez Manolette, Sentido, Newsman. Et Mr. Mogambo dans les quatre premiers. Merci. En passant, nous tenons une vidéo de Mr. Mogambo. Un petit pick-up. Oui, je suis bien. Hein, je suis capable de dire bien. Là où tu veux sprinter, il peut monter par l'apprenti ça, Belal, Dinat. Et tu veux dire bien à l'aise sur la tête, bien en haut, aux oreilles. Il fait facile. Et où tu veux dire sprinter. Mais 0,25, hein, nous pas pour trop juger le jeu de Bangalo. C'est bien souvent quand je travaille trop bien training, là, je ne pas répéter les couches. Mais là, il est OK. Hein, vous pensez du coup bien dans les quatre premiers. Oh, merci, Ravi. Il y a un cheval, je ne vais pas dans ça. Sinon, Alex, qui vous pensez de l'échange de Seven Express? Ça va, moi, je ne vais pas dire un cheval que je ne vais pas mentionner du tout. Seven Express, et c'est Seven Express. Et le jockey Sorting Rama, c'est le jockey Sorting Rama. Donc, ou jockey ou cheval préféré dans sa dernière course, Alex? Effectivement, mais là, sur l'entraîneur, il me permettait avec un drop noseman. Et à cause, si vous êtes bien, quand il signale un drop noseman, je vais avant, il comporte bien. Ce dernier coup, je tire drop noseman. Là, je ne remets drop noseman. Mais vous pensez, si ça, l'équipement-là, aide-lui, ben, récit cette heure. Et nous pas qu'en église, net. Vous pensez, il est pour là. Il est pour là. D'accord. Donc, merci. Voilà les analyses de la journée. En rappelant que. Cas de Diwali, de Mekraj, Secret Idea, Ravi, Edge of the Sun, Akash, et Divine Connection, et de moi-même, Sentido. Shubham, pour envie de donner un petit Diwali, Shubham, bureau de Bariton, Shubham, voilà. Bureau de Bariton, comme également. Bariton, un petit cadeau Diwali. Yankee Force, cadeau Diwali, gagne-toi ça. Ah oui, il donne un cheval dans la deuxième épreuve. Pena. Non. Il valide. C'est validé. C'est validé. Donc voilà, on peut dire cadeau Diwali. This and our chances and best bet and value bet. Et nous passons à Ravi pour les bets de Super Tote. Après, nous passons aux Bankers of the Day et Outsider. Donc Ravi pour les. Pick. On va commencer avec le pick 4, donc de la 5e et la 8e épreuve, 5e course. Allez, vous commencez par mon cas de Diwali, Edge of the Sun, 6e épreuve. 6e Lemon Drop Shot. Et vous pouvez faire moi un petit peu contre Edith Arotrel et Undercover Jam, vous donne Opéra Royal. Et vous donne Promissory dans la 8e épreuve. Et la dernière, vous donne deux chevals, Manonette et Newsman. Manolette est mieux dans la dernière épreuve. Donc, le pick 4 à rappeler, c'est ça prend que la 5e et la 8e épreuve. Donc, nous passons au pick 6.
Donc, ravi la troisième épreuve. Et la troisième, vous pensez, Traveling Man. Et... Traveling Man pour, ouais. La, ouais, pour la troisième épreuve. Ouais. Et la quatrième épreuve. Et la quatrième, vous pensez, Overdose, Blinkers à nouveau, la distance, je crois, si les jokers réussissent cette libre, je crois, ils capables. Overdose. Oui. Et commencer pour l'accumulateur dans la deuxième épreuve. Et votre vous choix. Vous pensez Crazy Charlie, définitivement, les bouquins. Crazy Charlie. Ouais. Et Piquet, première épreuve. Ben, vous pouvez aller pour Hit the Green. Et vous pensez, vous tiens à cœur, vous croyez cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne. Et donc, repassons sur tout. La première épreuve, Hit the Green. Deuxième épreuve, Crazy Charlie. Troisième épreuve, Traveling Man. Quatrième épreuve, Overdose. Cinquième épreuve, Edge of the Sun. Sixième épreuve, Lemon Drop Shot. Septième, Opéra Royal. Et huitième, Promissory. Voilà. Je ne vais pas faire gagner les rires. Super. Donc, voilà pour les choix. Pick 8, Pick 6, Pick 4 et Place Accumulator de notre consultant Ravi Rawa. Oui. À rappeler que vous allez trouver ces choix sur le site de Supertot, donc www.supertot.mu. Passons au Banker of the Day et Outsider. Mekraj. Alors, vous pensez, bon, nous trouver qu'il n'y a pas de banker avec un peu de chance pour gagner. J'espérais qu'il continue sur les bons rails. Vos bankers nous trouvent beaucoup, c'est vrai, 300, 200, mais vous pensez qu'il Traveling Man, Promissory et Madelette sont une très bonne chance pour dimanche. D'accord, et un petit outsider chance. Outsider, comme on dit, moi bien content, secrétariat et value bet. Vous pensez qu'il 350, 370, quand c'est quand même un value bet. Non, merci, Mekaj. Akash. Alex le connaît peut-être, le jockey Manchester un pays. Non, je dis, aller agir avec mon favori. Mais ceci dit, moi, bon, c'est Best Day of My Life et de la dernière. Yeah, Best Day of My Life, pas trop favori, moi, bon, c'est les 500 roupies. Ah, alors là, Chisti pour gagner ce petit piment. 450, 500 roupies. Voilà, donc Best Day of My Life et Manolette dans la dernière épreuve comme banker. Value bet de la 6ème et Cities, si jamais circonstances de sa faveur. Et comme outsider, quand le Divali, Divine Connection. Ravi? Oui, moi, je partage même la vie avec mes crunchs. Promissory, je pense, avec la ligne, poids, la distance et de rating. Traveling Man, beaucoup, NBA as well. Et c'est un soir, nous pouvons beaucoup de lits. Et beaucoup, les bisins gagnent sur les courses. Donc, et un petit outsider, un value bet, peut-être 8 cities. S'il n'est pas gagné, mais définitivement, il faut bien dans les placer. D'accord. Donc, à calculer, hein, peut-être qu'il est bon de nous dire. Bon, pensez, il y a des trois choix, les trois guests et consultants. Il y a Traveling Man et Promissory. Oui. Et donc, un doublé, ça de là, il y a quand même un joli petit doublé. Super. 100 pour 700, 100 pour 800. Donc, tout le plateau ici, nous prenons Traveling Man et Promissory. Oui. Donc, tant de 600, c'est un petit 10 roupies pour 80 roupies, 100 roupies pour 800 roupies. Donc, bien sûr, Code Supertot, ou Carbuzé, ça m'en a accumulé là aussi. Et mettre dans votre chance pour vos petites combinaisons, Pick 8, Pick 6 et Pick 4. Un petit mot de la fin, Mekraj. Bien sûr, premièrement, mon coq, nous assure de tout une bonne fête de Diwali. On connaît beaucoup du monde contre célébrer Diwali. Moi, je tire ce coup-là, c'est une super fille. Et là, quand on a la case, il faisait qu'on se donne coup de main, il faisait qu'on se rappe coco, il faisait qu'on se rappe coco. Et il y a quand même du boulot. Et encore une fois, nous avons remercié quand même les followers, l'équipe ici, Alexandre, Choubem, et surtout à notre collaborateur qui est super tout. Un grand merci à vous tous. Nous trouvons que l'émission revient un succès. D'ailleurs, pendant la semaine, beaucoup, l'hypothèse, mon petit allié vers 4 heures. Et donc, pendant la semaine, on a une chance d'aller la journée. Et comme on a trouvé, j'ai trouvé dans l'émission top, Ravi, Akash, Alexandre, et bah, c'est super. Comme on a pas du coup, nous allons tous nous gagner une positive. Mais nous même accepter une critique, mais quand c'est une critique constructive, quand nous avons Bill Lola, il prouve, c'est mieux qu'il quand même une insulte. Voilà, moi j'espère qu'ils auraient sur nous. La saison est terminée, mais nous concluons en beauté, nous tous ensemble. That's cross fingers. Akash? On pensait mais gratuit déjà tout, nous peut presser pas la case, de même pas rap pour peut pas gâter. Et en espérant que tout le monde, camarades, tout le monde, followers sur Facebook, enjoy the Diwali et
en point de mire pour le week-end. Nous sommes dans les courses, football Premier League cette semaine. Donc, toujours venant dans les courses dimanche. Je vous souhaite un bon week-end. Enjoy la fête, enjoy les courses. Et surtout, mise ce qui se trouve à Fort Toulouse parce que pas le road. On va parler de Roden Bonus Divali dans les courses. Maintenant, ça ne se fait pas. Les courses, c'est un sport, c'est un divertissement. Donc, always remember to bet what you can afford to lose. Bonne chance, c'est merci, Akash. Ravi. Alexandre, Akash, Mekraj, mon envie, j'ai juste une affaire à cœur, une promenade depuis une semaine, qui, une fois, me pose une question qui me content. Des fois, dans nous, la vie, nous dit qui nous content. Pour faire avec un certain âge, 32 ans, moi, dans les mondes épiques, dans les courses, moi, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses. Et moi, je me pose une question qui me content. Il y a beaucoup de monde qui disent, moi, quand je viens un bon entraîneur, un grand entraîneur qui fait pas point de guérir. Mais je me pose une question qui me content, mais je me content de faire ce qu'il me peut faire. Et si vous posez une question, je dis, mais à l'entraîneur intival, je vous dis non. À cause, je vous dis, il n'est pas aussi facile. Pour entraîner un cheval, si tant, il y a trop de choses à ça. Mais ce qui me peut faire, tous les matins, je me lève bonheur, moi le Floréal, et moi le get l'entraînement, je joue un peu plus du monde, je trouve, je commence content, ça les mondes là. Et je trouve, moi pareil, comme on disait, nous gagnons beaucoup de good feedback avec ben du monde, ça encourage moi. Et ben, je viens, je peux faire lire avec l'équipe, et je pense, dans l'industrie des courses, nous avons besoin de toute qualité ben du monde pour ramener l'industrie des courses. Une passion, hein, comment le dire. Les courses, c'est un entertainment. Et moi, comme une personne qui a ses val, et m'a essayé, ce qui me connaît, ce qui m'a appris, m'a partagé. Et peut-être l'avenir, ben, nous souhaitons nous team grandir et nous amène plus beaucoup de nouvelles affaires. Et voilà un petit peu ce qui m'a envie de dire, Moliké, il me promène une semaine, qui m'a content faire, m'a envie de faire ça, le monde consultant là. Et pour moi, c'est une affaire facile, il vient si tant facile. Et comment dire, je fais les mots les doigts. Je dis, ben, bon Dieu, bénis-moi, je suis capable de prendre plus encore pour partager un petit peu. Dernier mot, je souhaite tous nos bons camarades, collègues, Shubham, Makash, toute la famille du XTM+, tous nos bons followers, ben, happy Diwali, bon courage, beaucoup de bonheur, et nous continuer. Et aussi, faire bien attention au Covid et tout en pot de masse. Et voilà un petit peu, bon courage pour dimanche. Merci. Merci Ravi, et un petit mot pour moi, Happy Diwali, concerning races, bet what you can, je sais qu'ils sont capables, parle à l'extrême, et merci, et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine, et bonne soirée à tout le monde.